Et bonsoir à tous les copains, bienvenue sur le stream. Ce soir, on continue The Query, les copains. On va se continuer le petit The Query. Coucou, petite perruche. C'est mon choix. Coucou, petite perruche. El Darkness, mon Prozite, comment allez-vous, coucou, les copains? Coucou, petite perruche. Ma petite Méline, vous êtes au rendez-vous, les gars. Alors attendez, je vais vérifier un truc. Ça va peut-être ramer, je vais voir. Ouais, ça rame comme pas possible. Alors pourquoi? Pourquoi? Je crois savoir. Je regarde ça tout de suite, ne vous inquiétez pas. Ah, le truc c'est que ouais. Là c'est mieux là. Normalement je suis redevenu fluide. Ouais, je suis revenu fluide. Bon, moi ça va très bien. Ah, t'es malade, El Darkness? Ah bah merde. Ah bah non, faut pas tomber malade, quoi. Je vais baisser un peu des trucs, hein. Parce que le problème c'est que sinon, ouais, attendez, je regarde si je suis toujours fluide. Ouais, c'est bon, je suis fluide. Désolé, je fais des tests à la con, mais ouais, parce que si j'enlève la synchro verticale, en fait, ça me fait tout ramer. En fait, le jeu, sinon, il faut que je le limite à 30 fps. Mais ça fait chier, quoi. On va laisser comme ça pour voir. Mais voilà quoi les copains, on va se continuer ça, on était au chapitre 2 en plus. On était au chapitre 2, désolé, hein. Je faisais 2-3 tests, ça a l'air de tourner, c'est bon, ça tourne tout nickel. C'est bon, c'est tout propre. Et ben voilà, on avait commencé, on faisait les liens, on faisait pas trop mal. Pour moi les choix étaient pas trop mauvais, hein, je trouve. Et il faut se rappeler qu'on avait une boîte qui avait pété. Une boîte de munitions là ou je sais pas quoi. Et vous avez vu un loup ou je sais pas quoi. Donc moi j'ai pas vu ça, donc on verra. Yo poulet cosmicos. Je vais bien, merci. Et toi? T'as pris de l'avance. Ça va, journée très longue. J'ai trouvé la journée longue aujourd'hui. Mais je me languissais de rentrer pour attaquer la suite. On en était au chapitre 2, les copains. Oui, j'ai clairement vu un Wendigo ou un loup-garou. On verra, hein. Voulez-vous vraiment charger cette sauvegarde? Oui. On en est là. On verra si ça rame ou quoi. J'ai baissé un peu, on verra si ça... Je pense que ça ramera au début, à chaque fois, au début des nouvelles des cinématiques. On tape le son de mon casque. Eh bah, on en est là. Coincé dans les contrées sauvages d'Amérique à devoir lutter pour survivre. L'humanité vaincra-t-elle? Ou deviendrons-nous voraces à manger la chair des cadavres comme ils font dans ce film avec le crash aérien? Entrée, filet de Jacob. Tendre et consistant, ce gros tas de muscles risque de vous laisser un goût un peu désagréable dans le palais. On apprend à l'apprécier, diront certains. Allez. Waouh. Quoi? Psst. On dirait que t'essayes d'enfiler une aiguille avec un paquet de saucisses molles. Arrête ça. J'y suis presque, ok? Putain. Et pour info, tu fais des comparaisons blessantes. Ok. Je vais y arriver. Une seconde. Attends, on laisse comme ça pour voir, peut-être qu'il va réussir. Ah, mais regarde ça. Et
Voilà le travail. Votre épingle, madame. Non, tu peux la garder. Alors, pas mal, hein? Joueuse, tu es habile de tes mains. Sarcastique, tu en as mis du temps. Joueuse, on met joueuse, les gars, là. On fait les choix ensemble, un peu. Joueuse, joueuse, c'est bien, tu vois. Même s'ils sont séparés, qu'elle veut pas trop, machin. On va mettre joueuse. C'est impossible d'ouvrir une porte avec une épingle à cheveux. Moi, j'y arrive avec un ongle. Un ongle de pied. Je sais pas, j'y arrive pas, moi. Je sais que c'est mon père qui va faire certains trucs, à ouvrir des trucs. Mais moi, je sais pas le faire. On va mettre joueuse. J'aime les hommes qui sont doués de leurs mains. Eh ben, tout le monde m'appelle l'homme aux doigts de fée. Non, c'est faux. Ok. Bon. Si j'étais une bière, où est-ce que je me cacherais? Bip, 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 bip. Qu'est-ce bip, que tu fous? Bip. Oh, ça c'est... C'est mon radar. Il m'aide à détecter la bière. J'avais jamais remarqué à quel point tu pouvais être un bolos. Quoi? Mais c'est... C'est mon radar à bière. Je vais aller de ce côté-là. Waouh, les gamins ont vraiment tout raflé. Monsieur H adore ses accessoires. Coucou, petite perruche. Coucou, petite perruche. Ah, mon bebe, mon bob. J'ai vu que vous étiez en voc. Ça fait il du geoguessant. Il est sûrement fermé. Je sais pas ce que j'espérais. L'ouvrir. Pardon, excusez-moi. Je suis sarcastique. Oh, mortel. Oh, jackpot. Mate un peu mes grosses pastèques. Tiens, tu découpes un trou dedans. Mm-hmm. Tu le remplis de vodka. Et c'est parti. Tu verses carrément la vodka dedans? Ouais, c'est le meilleur truc à faire avec une pastèque trouée. Sauf, tu sais, tu peux aussi... Lui, c'est clairement moi, lui. Je vais vous laisser entre vous et aller chercher d'autres trucs festifs. Je fais exactement le même genre de vanne au taf. C'est clairement moi, lui. Je l'aime bien. Oh, je l'aime bien. Ok, on bouge Emma. Excusez-moi, comment ça va, mon petit bebe, mon petit bob? Ça fait beaucoup de chiens. Oh oui, c'est des bok-bok. J'ai buté un éléphant et perdu mon cheval dans Conan. Encore? Ah non, mais c'est comme le dernier coup, excuse-moi. Oh, le nul. L'autre qui dit ça, tu sais. Oh, le nul. Ah. Arumskarum. Arumskarum. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce prospectus font la promotion d'un spectacle itinérant appelé Arumskarum. La date indique qu'il y a eu lieu. Qu'il a eu lieu il y a plus de 6 ans. Ok. C'est quoi? Affiche Arumskarum. Ah, bah ouais, on a la même du coup. C'est la même que l'autre en haut. Ok. On ne sait pas ce que fait Chris Hackett avec ses affiches, mais il a dû oublier de retirer celle-ci. Ah, t'as vu, on peut avoir des petites suggestions. Ok, je peux pas les voir encore ceux-là. Ok. Arumskarum. Pourquoi il m'a fait flipper, loco? Les loups élites sont très balèzes, hein? Ah, t'as eu un loup élite, j'ai pas vu. Tu sais quoi? Est-ce que ça va être bien fait ou pas? On est deux. On est deux dans le magasin. L'autre, Jacob, il est un peu blagueur. Est-ce qu'il va pas nous faire un jumpscare?
J'ai envie de l'y penser qu'il va nous en faire un. Qui achète cette merde? Est-ce que je serais un bon sou? Ah oui, putain, c'est vrai qu'il y a les deux là! C'est vrai que ça a fini avec le vieux et le gros. Tout ensanglanté, quoi. Et ils avaient mis, c'est l'heure de la chasse. Saison de la chasse, pardon. Il avait écrit saison de la chasse. Je fouille tous les copains. En vrai, je crois que j'ai fait un bon move là. Je suis sûr que ça m'a ouvert un truc pour plus tard. The Quarry, c'est la suite de Until Dawn. Non, c'est pas la suite, mais c'est les mêmes. C'est ceux qu'on fait Until Dawn. C'est clairement ceux qu'on fait Until Dawn, mais ce n'est pas la suite à Until Dawn. C'est complètement une histoire différente. J'avais pas vu quand t'avais répondu, mais je préférais te répondre verbalement, ce qui est mieux. Oh, petit ref, justement. Salut les gars. Trop bien. Ah, et du coup c'est nous qui sommes joueurs. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que tout le monde a fait effrayer Jacob. Tu vois, tous les streamers, je pense, ils ont fait effrayer Jacob. Mais... ouais, le masque, c'est ce que j'ai pensé qui fait ref à Until Dawn. De toute façon, comme j'ai dit, après, c'est les papas, donc... qu'est-ce qu'on fait, les gars? Parce que, dans le choix-là, soit on effraye Jacob, ça va nous faire rire... mais est-ce que lui va pas mal le prendre? Ah, je sais pas. Parce que dans la vision, il n'y avait rien de peur. Il n'avait pas peur dans la vision. Parce que c'est ça aussi que je pense. Et comme on a vu la vision, est-ce qu'il n'aurait pas trouvé un truc? Il va pas nous tirer dessus ou quoi? Vas-y, on essaye, allez. On est là pour s'amuser. Je peux pas laisser passer une occasion pareille. Dites-moi, vous avez déjà vu un adulte se pisser dessus? Restez avec moi. Ah putain, elle le fait en public. Ah, ça, c'est pas bon. Mon Dieu. D'accord, où je pourrais me cacher? Bon, c'est pas grave. On assume nos choix, les gars. Jacob! Emma? Eh oh! Coucou, petite perruche! Si t'essaies de me faire peur, ça marchera pas. Tu penses que ça serait ici? Bah, je sais pas, tu sais. Je sais pas, donc faut tout envisager. Hein. La vision, on l'a vue, donc ça peut être n'importe où. T'as pas peur des clowns? Non, ils sont marrants. Parce que ça, c'est censé être marrant? Eh ben, ouais. Wow. Et là, tu trouves que c'est marrant, mon garçon? C'est que... Tu veux te joindre à 20 de mes amis clowns sexy dans une petite voiture dans laquelle on peut toutes rentrer super facilement? Je... Bah quoi? Plus envie. On en reparlera. La connasse. Pardon, excusez-moi. Bah du coup... Ok, juste l'araignée. Tu veux pas prendre l'araignée? On sait jamais, t'étais parti dans un bon délire. Coucou petite perruche.
Qu'est-ce qui fait mon Pandix? Merci à toi, mon Pandix, pour ton abonnement. Oui, moi le Pandix. Il a peur, là. Pandix, il dit rien, mais il a peur. Il est pas serein, là. Il est derrière son PC, il est pas serein. Ose dire que j'ai tort, Pandix. Il y a encore quelqu'un dehors? On voit rien. Y a quelque chose. Putain, y a rien en fait. Ah, une carte. J'aimerais trouver une carte ou un. Bon, c'est une carte, mais pas celle que je veux. Plan de rénovation du chalet. Les plans de la rénovation structurelle. Structurelle, pardon. Excuse-moi, je suis fatigué. De la conduite de cheminée du chalet. Ah, on a vu que la cheminée elle tombait en lambeaux. Enregistré par les annotations téléphonées, Chris Hackett ne doit pas avoir les moyens de le financer. Ok. Ok, ok. On avait vu que la cheminée elle tombait en lambeaux. Fallait retenir ça aussi. Bientôt l'accouchement, bientôt l'accouchement. Tu as tort. Ah, quel jeu de mots. Quel jeu de mots. Je me demande ce que c'est. Fermé. Jacob ? Appelez Jacob. Toujours aller à deux. Jacob ! Viens voir par là ! Oh, 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 oh. C'est parti ! Coucou, petite perruche ! Porte, accroche-toi, parce que tu vas bientôt nous laisser passer. Yo Luffy, comment ça, mon petit Luffy? Putain, ouais. Vous êtes tous là, les copains, ça fait plaisir. Wow. On a touché le gros lot. Mate un peu tous ces trésors. Tu m'étonnes qu'il ferme la porte à clé. Il va pas nous tuer si on pille son stock? Quoi? Non. Attends, il nous a abandonnés. C'est genre... de la survie ou... T'es pas d'accord? J'avoue, ouais. Ok. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Bouge pas, sinon la porte se fermera. Du coup, toi, on a bien fait. La porte se fermera. Si j'avais enfoncé la porte, ça se trouve, on se serait enfermé. Mortel. Mate-moi ça. Mission accomplie. Boum! Je vais jeter un œil. Ouais, vas-y. Ok. Lui, je pense pas qu'il nous enferme. Étant donné qu'il l'aime bien, ça serait con. Ok, y'a rien, carton vide. Carton vide. Oula. Y'a un cadavre là-dedans. Oh. Jacob ! Hé, hey, regarde ça ! Quoi ? Je peux pas bouger, sinon la porte va se fermer. On dirait des trucs de camping. Oh, ok. Y'a déjà des tentes au feu de camp, alors... Viens, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est les sacs des deux premiers, là, non? De celui qui s'est fait arracher l'oreille, là, qu'on a vu hier. Pas bien, et toi, pourquoi ça va pas bien, mon Luffy? Qu'est-ce qui t'arrive? Moi, ça va très bien. Enfin, ça va très bien. Journée longue, mais ça va très bien, du fait que je suis avec vous, les copains, et qu'on partage une bonne séance d'oreille. Il a l'air bien au courant, je trouve. Qui a l'air bien au courant? Bah il est au courant de quoi, Jacob? Là il parle, là tout à l'heure il parlait du mec qui nous a laissé Hackett là. Il a parlé de ça. C'est Hackett qui nous a laissé. Le moniteur, on l'a tous vu. Il nous a dit de nous enfermer au chalet mais de pas sortir. Et donc là il parlait de là en disant bah il nous a abandonné donc. Tu peux streamer plus tôt? J'aimerais. Je peux pas. En semaine je peux pas. Le samedi tout ça je peux. Mais la semaine, je peux pas. Mon taf me le permet pas, malheureusement. Je suis chez moi qu'à 22h. Il me manque une petite rosette. Ce serait parfait comme live. Ah bah vas-y, vas-y. Il donne l'impression de bien connaître les lieux. Oh,
Ah ouais, ah non, que là non, en fait, bah, celle qui l'a appelé, elle a vu la porte, elle l'a appelé pour crocheter. Ah, Parasite, il fait ma pub. Au carré de travail, il stream. Ouais, le problème, c'est qu'en fait, je fais un taf où je suis d'après-midi. Et je commence à 13h30 et je finis à 21h. Et j'ai à peu près 45 minutes de route de chez moi à mon taf. Et en gros, je suis chez moi à 22h. Et le temps de me doucher, de manger, tu vois, je prends quand même un peu le temps. C'est chaud pour être avant 23h, quoi. J'essaye de faire au max d'être là à 23h. C'est pour ça que je donne la tranche horaire 23h, 23h30. Parce qu'en général, 23h30, c'est coup sûr. Mais là, malheureusement, je peux pas. Je ne peux pas la semaine. Comme j'ai dit, le samedi, on commence à 21h30. On peut commencer à 21h30. 21h même, des fois, ça peut arriver. C'est un moment mauvais de ma vie. Ça finira bien par passer. Bah, si tu veux en causer, mon Luffy, on est là. Hein. On est là. Ne reste pas dans le mal. Pourquoi ça t'embête? Tu voulais me voir plus? Poulet cosmique? Sinon, comme on disait, mamie, elle pensait changer de shift. C'est changer d'horaire au boulot. Mais le problème, ce serait pour passer de nuit. Donc ça veut dire que si jamais je faisais ça, je serais dispo que l'après-midi, quoi. Et encore l'après-midi, ce serait du 14, ouais, on pourrait faire du 14-15 jusqu'à 18h, quoi, 19h. Mais j'aime bien l'après-midi, moi. Ah non, ah ouais, non, car l'après-midi, je suis pas là. Non, mais après, je peux comprendre, hein, c'est pour ça. J'ai pas des horaires faciles, après. Je peux être là quand. Oui, moi, à partir de minuit, j'ai les couilles qui s'en sortent en citrouille, comme Cendrillon. Ah non, mais après, je peux comprendre, hein, qu'il y en a qui soient fatigués, je commence tard et tout. Mais là, actuellement, c'est les seuls horaires que je peux vous donner, les copains. J'essaye de faire au mieux. Après, au cas où. Il y a les rediffs, hein. Il y a les rediffs. Je laisse les rediffs, moi, les copains. Oh, c'est où, une fusil? Oh, cool. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Un fusil. Oh, cool. Et un code. Ah, oh, putain. Le choix va être là, les gars. Qu'est-ce que tu me fais, Free? Okay. C'est bon. L'autre, elle prend un fusil, elle fait ça comme ça. Mais là, tu fais ça, il y a un coup qui part. Admettons, il y a une cartouche dedans. On a le code. Je suis sûr, le code, c'est pour avoir les cartouches. Et dans la vision, on a vu qu'il prenait les cartouches et ça pétait. Ouais, mais les rediffs, on peut pas discuter. C'est vrai que c'est le problème des rediffs. Je suis conscient. Qu'est-ce qu'on fait? On a fini, je pense, on va tout fouiller. Alors, tu vas vraiment prendre le fusil, hein? Ouais, pour les os. D'accord. Ben moi, je vais chercher un truc pour transporter tout ça jusqu'au camp. Et le problème, c'est que j'ai quand même envie d'aller au coffre, parce qu'au coffre, je me dis, il y a peut-être des munitions, mais une carte aussi, parce qu'on n'a pas trouvé de carte encore. Hein. Ah, putain. Il était où, le coffre, d'ailleurs? Ah, il était dehors. Enfin, dehors, hein, dans la boutique. Pardon, excusez-moi. Ouais, là, si je prout, vous avez profité. Ouais, c'est ça, la rediff, bah ouais, c'est vous pouvez pas causer avec moi, quoi, du coup. D'accord. Ah, elle le fait tout seul, hein, c'est pas moi qui le fais, donc... Bingo. Eh, hey, c'est pas mal. On a vu ça, hein. Y a quoi d'autre dedans? Des feux d'artifice. Oh, wow. T'es sérieuse? Ouais, mais je crois pas qu'on devrait... Non, 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 Emma. Feux d'artifice. Je les prends pas, les gars. C'est ça qui avait pété, hein. Non? C'est pas joyeux, mais meilleur...
Oh merde. Désolé pour toi, mon Luffy. T'es un washou. Je peux comprendre que tu sois un peu dans le mal, mon vieux. Malheureusement, c'est ce que je dis à chaque fois. Dans ces moments-là, il n'y a pas vraiment de mots, quoi. Mais courage à toi, mon vieux. Putain, là, ouais, c'est chaud. Ouais, c'est les feux d'artifice qui ont pété. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Laissez les feux. Moi, je laisserai les feux d'artifice. Puis en plus, ça. Ah pff. Il peut y avoir plusieurs choix, les copains. En tout cas, mon Luffy, si tu as besoin, on est là. Même au cas où, même via le Discord. Hein, si tu veux discuter peut-être plus en privé ou quoi, il y a le. N'hésite pas sur Discord, vieux. Mais en tout cas, courage à toi. Désolé pour ce moment. Putain, ouais, c'est... En 2 semaines en plus. Un enfer. De toute façon, ça te servira à rien, les feux. C'est là que j'allais en venir, mon petit parasite. Les feux, est-ce que ça pourrait pas avertir aussi? Comme un truc de détresse ou quoi? Mais d'après la vision, j'aurais envie de les laisser, moi. On a vu que ça pétait. Putain, il y a tellement de trucs. Le feu d'artifice qui peut t'aider en cas de pépin. Tu dis ça peut faire fuir, ça peut éclairer une zone, ça peut avertir du dans de, des secours. En même temps, ça peut te mettre mal, ça peut te péter à la gueule, ça peut. On va les laisser, vas-y. Je pense que les feux d'artifice, ce serait abusé. Quoi? Non mais, attends, t'as un fusil, tu veux pas que j'ai des pétards? Parce que le fusil, ça nous protège des ours, alors que les feux d'artifice, ça risque de foutre le feu. Saloperie de feu de forêt. Et j'ai vu des sortes de sacs troués derrière, ils étaient carrément déchirés, et je crois même que j'ai vu un peu de sang dessus. Oh oh, stop, stop. Oh, sérieux? Des peanut butter butter pops? Des putains de peanut butter butter pops? C'est pour les gamins? Non, vas-y, on est bons joueurs. On est des gamins, moi j'ai envie de rester un gamin, tu vois. Vas-y. C'est quoi des butter pops? Non. Mais quoi? J'arrive pas à le croire. Ok. Papa, peanut butter, butter pop. Pop, pop, ça fond dans la bouche. Pop. Non mais sérieux, c'est juste le meilleur snack de tous les temps. Qu'est-ce que c'est, un genre de popcorn? Hein? Non, ça a rien à voir. C'est un truc à part, une sorte de sous-genre dans les snacks. Tu sais quoi? J'en ai pas mangé depuis que je suis gamin. Tu vas voir, c'est une tuerie. Attends, il y a une date de péremption sur le paquet? Non, ça se conserve. Oh non, le paquet a 20 ans, c'est ça? Tu sais, ils les avancent, les dates de péremption. Bah. Mais si, tu vas les adorer. Bah. Oh, sérieux. Ok. Bon. J'ai vu une belle prouette quelque part devant. Il n'y a plus qu'à foutre tout le butin dedans. T'as dit quoi, là? Butin? Oh, bah c'est comme un trésor. Un trésor de pirate. Non, avant ça. Une prouette? Voilà. Ok. C'est comme une sorte de caisse sur roue. Tu fous des trucs dedans et tu fais rouler. Oh, je vois. Après vous, madame. Merci. Par où? Une prouette. Ça va, ça rame pas? Je rame pas? Comment ça va? Génial! Le sanctuaire sacré. C'est juste un bureau. C'est
C'est ici que la magie opère. Ouais, allez, on se dépêche un peu. Ouais, donne-moi une seconde pour brancher tout ça. Et charger. Des podcasts. Ouais. Ok. Amical, vas-y, on est toujours amical. On met une bonne ambiance. C'est quoi le titre de celui que t'écoutes en ce moment ? Enquête paranormale. Et c'est sur les fantômes ? En fait, ouais, c'est des enquêtes sur des histoires étranges. Ils essaient de tirer le vrai du faux et ils parlent de phénomènes, ben, paranormaux. Parano ? Pigé ? Parano ? Ah, t'as mangé un clown ? Wow, quelle ambiance ! Bon, est-ce qu'on regarde ce que Monsieur H planque dans son antre du péché ? Je sais pas trop, ça me gêne un peu de fouiller dans ses affaires. Ok, bah, pas moi. Allez, franchement, qu'est-ce que tu veux que le gérant d'une colo remplie de jeunes enfants manipulables ait à se reprocher ? Pas Monsieur H, il est cool, je sais. Je l'ai toujours trouvé cool. Ok. Bon, là, c'est les téléphones qui chargent. On peut causer avec lui, mais on verra après. Waouh, Matt l'Antiquité. File-moi ton numéro, je veux l'essayer. Pourquoi ? Draguer ? Pour te demander de sortir avec moi, sarcastique, ce serait sympa que quelqu'un t'appelle. Ah, ça le laisse un peu sarcastique, en gros, tu vas le traiter de solo, quoi. Ouais, ils sont cringe. Ils ont l'air tous des débiles. Bah, tout de suite. Ouais, draguer. Bah, pour te demander de sortir avec moi, hein. Habile. Mais je crois que si j'appelais un portable avec ça, le truc exploserait. Allô ? Oui ? Quoi ? Y a quelqu'un ? Allô ? Chelou, j'ai cru entendre quelqu'un. Hein ? T'aurais peut-être dû lui proposer un rencard ? Ah putain, j'y ai pas pensé. Photo de famille, Chris Hackett, jeune directeur de colo, et ses deux enfants, Caleb et Kaylee. Ils semblent être heureux. Ah, souvenir endommagé. Qu'est-ce qu'on a eu ? Ce sont les mêmes affiches dans les bois, pourquoi Chris Hackett les garde-t-il ? Est-il lié d'une façon ou d'une autre à Arum Scarum ? Kaylee et Caleb Hackett. Ils sont chelous, non ? Je les aime bien. Ouais, moi aussi. Mais ils sont pas hyper sociables, faut bien l'avouer. Je te demande pas d'être sociable. Ah, oh, il y a une trappe. It's a trap ! Pardon. On va faire ça. Et pourquoi il y a un fusil ? Chris... Monsieur H m'a dit que c'était... pour les ours. Des ours ? Ici ? Ouais, ouais. Il dit qu'ils osent pas approcher parce que, justement, il est... armé. Et... ouais. Laisse-le où il est. Laisse-le. Espiègle. Sérieux. Le espiègle, le mot espiègle me plaît. On met espiègle, les gars ? Est-ce que vous voulez qu'on mette espiègle ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Sérieux, tu vois, ça peut faire trop...
le mec qui veut vraiment avoir le fusil, quoi. Mec, on a prévu de faire la fête dans les bois ce soir. Et si des ours tapent l'incruste? Tu sais, ma mère me disait toujours, si tu veux t'amuser, pense à te protéger. Mec, je pense qu'elle voulait juste parler des capotes. Je veux pas me taper un ours. Le truc le plus dangereux que j'ai vu dans ces bois, c'est un gros écureuil. Perso, je trouve ça flippant. Ok, soit. Bon, on sait où est le fusil, en cas de besoin. Comme tu veux. Ok. Il y avait la trappe. On va voir la trappe. Hey, salut! C'est quoi ça? T'entends ça? Coucou, petite perruche! Yo, Félix! Est-ce que c'est une trappe? Suspicieux, je pense que ça mène au sous-sol, forcément. Si c'est une trappe, forcément ça va sous le sol. C'est pas fut-fut, hein. J'ai envie de donjon sexuel secret, ça me plaît, ça me parle. Ça va bien, mon petit Félix? Moi, ça va très bien. Ça va très bien, on est là, on profite. Journée qui est un peu longue au travail, mais ça va. Vas-y, taquin. Je savais bien qu'il y avait un donjon sexuel secret dans le coin. Ouais. Je te parie que Monsieur H a des pratiques hyper cheloues. Ça m'étonnerait. On n'a pas eu de moniteurs qui sont jamais venus? Pourquoi? Donjon sexuel secret. Non, c'est pas marrant, ça amène sans doute jusqu'au sous-sol à mon avis. T'as qu'à l'ouvrir. Ok, bon, on dirait qu'il y a un puits de ténèbres sans fond, donc... T'en rajoutes à peine. Descends, jette un œil, regarde, tu peux te glisser là-dedans. Tu l'as ouverte, tu descends. J'ai vu qu'il y avait une porte avant, est-ce qu'on n'irait pas voir la porte? Bien, j'ai juste été pris pour un con par une meuf, mais t'inquiète. Ah bon? Oh merde, c'est pas très joli. Puis ce soir, là, c'est tous les copains qui vont pas très bien, les gars. N'hésitez pas, hein, si vous voulez sur Discord discuter. Mon petit Luffy, surtout mon petit Luffy. Je pense à toi, mon petit Luffy. Regarde la porte, mais ça a pas changé de chemin. Je sais pas, mais là, si pareil, là on prend pas la porte, tu vois, c'est comme tout. C'est un jeu narratif, ouais, c'est exactement ça. Jeu d'horreur avec des choix, et nos choix ont des conséquences. Vous voulez qu'on descende? Allez, vas-y. On pourra certainement. Je suis pas convaincu du coup. Qu'est-ce qu'il y a? Oh mon dieu, Ryan, tu quoi? Vas jamais me croire. Quoi? Il y a que dalle. Oh, c'est nul. T'y as cru à fond pendant une seconde, avoue. Non. Peut-être. Ah, ferme-la. Par contre, c'est carrément flippant ici. Et il y a une odeur hyper bizarre. Donc, ouais, ok, je vais remonter. Ouais. Faudra se souvenir de ça, les gars. Oh, mate le fauteuil. Je veux le même chez moi. Si Monsieur H te chopait en train de t'éclater avec son fauteuil adoré. Joueur, vas-y. Dring, dring, dring. Oh, excuse-moi. Il faut que je prenne cet appel. Bonjour, Colo de Hackett Squarry, où ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Que puis-je pour vous en cette belle journée estivale? Tu trouves que ça ressemble à Monsieur H? Ouais. Mmh. Ouais. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il faut qu'il soit plus sympa avec Dylan. Et, pardon? Vous voulez qu'il donne son numéro à Dylan? Ça, c'est un peu direct. Mais je vais voir ce que je peux faire. Habile. Thank you.
Oh, Laura Kearney et Max Brinley. C'est les deux qui sont jamais venus. Ouais, c'est à cause de ces deux bouffons qu'on s'est tapé des heures sup tout l'été. Ok. La liste des moniteurs et monitrices avec leurs noms, prénoms, coordonnées et leur rôle dans le camp. Deux noms sont barrés. Laura et Max. Pourquoi ne sont-ils pas venus? On sait qu'on les a bougés au début et c'est la merde. Rien, ma femme me saoule. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Putain, mais les gars, c'est full pas bien ce soir là. Vous êtes tous dans le mal, les copains. Voulez-vous vous réconforter auprès du Brock? Bah toi au moins t'as une copine. Bah toi aussi, mais elle s'appelle 5 doigts quoi. Je rigole, Félix, je rigole. Car je suis bien aussi, j'ai plus le temps. Aïe aïe aïe. Bah ouais, on essaye de mettre un peu de good vibe, poulet cosmique. Faut leur mettre le sourire. J'aime pas voir les gens dans le mal. On va voir là, il y avait une porte. Hé, mon pote, passe-moi les clés. Donc en fait, tu veux que je te laisse tripoter les affaires de Chris? Oh, t'es jaloux que quelqu'un d'autre tripote son intimité? Haha, très drôle. Allez, y a pas de mal à regarder, c'est... T'es pas un petit peu curieux? Je te jure, je vais toucher à rien. Ok, me le fais pas regretter. Ça, je peux pas le promettre. Et l'un, c'est franc. Ça veut pas dire ça. Ah. Mets-toi encore plus près, tiens. Attends, on va voir d'abord là. Waouh, c'est plutôt costaud ce qu'il a là-dedans. Ouais, on devrait peut-être pas y toucher. Ouais, y'a rien de marrant. J'avais pas de copine non plus en même temps, je m'en foutais complètement. Bah si t'as mal, ça risque rien, c'est vrai. Défilé de mode. Monsieur H connaît ses goûts. On dirait bien. Wow, y'a... Hey. Hey, on devrait peut-être pas... Ryan? Wow, c'est quoi ce délire? Sur les écrans, là, c'est le camp. Tu crois que Monsieur H nous espionne? Non. Non, enfin, non, je crois pas. C'est juste... différents sentiers dans les bois autour du camp. Ouais... La plupart des caméras sont orientées vers l'extérieur, donc c'est pas pour voir les gamins, à moins qu'ils s'aventurent dans les bois, tu vois. En fait, c'est seulement des caméras de chasse. Et ça sert à quoi, ces caméras? Je crois qu'on les installe pour filmer des trucs étranges. Ouais, ok, genre quoi? Genre, pour le Bigfoot, tu vois, ce genre de truc. Alors, hop... Tu trouves ça grave, honteux? De quoi est-ce que je trouve ça grave, Félix? Rien n'est grave. Intéressé, peut-être qu'il écoute le même podcast. Donc il cherchait le Bigfoot. Ah, on mettrait quoi, le copain? Ça. Ça.
Tu parles du jeu ou de votre conversation, les copains? Ah, on mettrait quoi? Donc, il cherchait le Bigfoot. Malicieux. Ah, je sais pas. Intéressé. Moi, je mettrais intéressé. J'ai eu une amourette à 16 ans. Elle m'a pris pour un con ensuite à 20 ans. Pendant 2 ans. Ensuite, j'ai attendu. Jamais été en couple à 22 ans, donc voilà. Bah non, il n'y a pas de honte. Rien n'est une honte. Si du coup, tu te plais dans ta vie, Félix, si tu es bien, pourquoi tu voudrais avoir honte? Qui c'est qui a dit que tu devais être en couple avant 22 ans? Je connais des gens qui ont 30 balais et qui sont pas, qui sont pas en couple non plus. Même au travail, il y a des gens... ils ont des nanas ou quoi, qui n'ont jamais eu de mec ou quoi. C'est pas une honte. Au collège, j'ai rien depuis. Ouais, bah, c'est pas une honte. Moi non plus, hein, j'étais pas un coureur de jupons, les gars. J'ai eu des copines. Mais j'ai pas non plus... pas une vingtaine non plus. Hein. Les filles cherchent moins la bagatelle que les hommes. Mais non, je veux dire, après, y a pas de honte, Félix. Pourquoi tu te sens honteux, toi, de pas avoir... de pas être en couple à 22 ans? De pas avoir été en couple à 22 ans? Au collège, est-ce que tu étais en couple? Ah si, collège. Au collège, si, je crois que j'avais une copine quand même. Je sais plus. J'ai eu des petites amourettes et des petites copines quand même. Mais après, vraiment du sérieux, ça a commencé. Ouais, 18, 19 ans. Et ma vraie première relation, c'est à peu près, je dirais 20 ans. J'avais 20 ans pour ma vraie première relation. Donc tu vois, il n'y a pas de honte à avoir. Hein. Si toi tu es bien dans ta vie, je vois pas pourquoi tu... Puis personne n'est là pour juger ta vie. Enfin pour moi, il n'y a rien de honteux. Quoi. C'est... Comme je t'ai dit, hein, qui a dit que il fallait que, par exemple, la norme c'est de coucher avant 16 ans ou avant 18 ans ou quoi. Moi, bon, et personnellement, tu le fais quand ça arrive, tu le fais si t'en as envie, tu te mets en couple si t'en as envie, tu vas pas te forcer parce que ça peut plaire aux autres. Faut faire ce qui te plaît, que toi tu sois bien dans ta vie, mon petit Félix. Ma tante au repas de famille, elle me dit tu devrais être en couple, on t'a jamais vu en couple. Et oui, j'aimerais bien. Ouais, mais tu dois faire ta vie pour toi, Félix, pas pour tes... C'est pareil, moi regarde, je suis avec ma copine, ça fait 7 ans, plusieurs fois. Oh, et c'est quand le bébé, et c'est quand le mariage, ouais. Quand on en aura envie, quand on sera prêt. On fait pas une vie pour les parents ou pour la famille. Faut penser que c'est ta vie à toi. Parce que ils sont bien. Des fois, la famille, ils sont bien gentils de dire c'est pour quand le bébé. Faut penser que le bébé, c'est toi qui vas l'élever. Hein. C'est pas eux. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des petits-enfants. Enfin, voilà, et tout ça. Hein, ils vont les garder quand ils vont bien, quand ils pleurent, et te les rendent. Oui, mais les femmes, c'est casse la tête. Comment tu vas, mon petit Singo? Singo, Oria, Singo, Singo. Oh, t'inquiète, plein de réflexion pour ma famille, par ce genre de choses. C'est juste pour taquiner, voilà, mais il faut surtout que tu vis ta vie pour toi, ne vis pas ta vie pour les autres. Il n'y a rien de honteux, sache qu'il y a, pour moi, il n'y a rien de honteux. Et ouais, tu vas à ton rythme. Si tu trouves une nana à 35 balais, bah, tu trouveras une nana à 35 balais, puis tu seras bien à ce moment-là, enfin, avec cette nana. Mais te mets pas la pression parce qu'on te dit, ouais, c'est quand que t'es en couple ou quoi, tu te mettras en couple quand toi tu le voudras ou quand l'opportunité sera là, mais... J'arrive en pleine discussion philosophique. Oui, c'était Félix qui demandait si je trouvais ça honteux de pas être en couple à 22 ans. Donc moi, je ne trouve pas ça honteux. Après... Puis encore une fois, je ne suis personne pour juger. Moi, je ne vous juge pas, les copains. Chacun est libre de vivre sa vie. À chaque fois, c'est ce que je dis. Quand tu viens au monde, il n'y a personne qui t'a dit... Voilà, tu vois ce mec là-bas, c'est lui qui gouvernera ta vie plus tard, non ? Tu viens au monde, tu vis ta vie. Vis-la pour toi. Et ça, je m'en suis rendu compte tard. Parce qu'avant, j'étais quelqu'un de très timide. Je le suis toujours encore un peu. Mais j'étais très timide et j'avais tendance à me faire en fonction de ce que les gens... Pareil, je me disais, ah, ils vont penser quoi? Maintenant, j'en ai rien à branler. Il y a un truc qui me plaît, j'ai envie de le faire, je le fais. Bah les couilles. Ceux qui critiquent pour moi, c'est des mecs qui ont envie de faire la même chose, mais qui n'osent pas pour le regard des autres. Moi, c'est comme ça que je vois le truc. Donc j'ai des délires, j'ai des machins, j'ai envie de le faire, bah ouais, ça me plaît, moi ça me plaît, je m'éclate dans ce que je fais, je le fais.
Puis si les autres sont pas contents, bah tant pis pour eux. Moi je vis ma vie. Si eux ils préfèrent rester coincés dans leur caserne ou dans leur truc, bah ils restent coincés. Hein. Faut vivre pour soi, exactement. Ouais, sur Tinder, c'est vrai que mamie ça le connaît une nana qui a trouvé un mec sur Tinder, je crois qu'ils sont mariés et tout. Des Daki Makura, c'est quoi ça, Elle Darkness? Après, ces garçons à elle, les deux derniers sont des coureurs de jupons non fidèles à leur copine. Ouais, mais ça, après, voilà, c'est leur vie. Toi, tu as la tienne. C'est pour ça que te fie pas à ça. Tu vis ta vie pour toi. T'auras une copine quand t'auras une copine. Comme je t'ai dit, hein, c'est pareil. Hein, moi, j'étais pas non plus. Je t'ai dit, ma vraie première grosse relation, vraiment du sérieux, j'ai 20 ans. Hein. 20 ans, j'ai eu des copines avec qui ça a duré un petit peu avant, mais il n'y avait pas ce truc comme j'ai pu avoir avec celle quand j'avais 20 ans, quoi. Donc tu vois, il n'y a rien de honteux dans la vie. Tu as ta vie, tu veux prendre ton temps, c'est ça. C'est pour ça que tu portes ta casquette rouge, pourquoi? Pourquoi que je porte ma casquette rouge, les filles? Oreiller japonais. C'est oreiller japonais? Ok, je savais pas, tu vois, tu m'apprends quelque chose. Luffy, pas Luffy, Parasite, ouais, il faut courir à droite à gauche, après tu peux t'amuser, c'est vrai que... C'est un super héros, ouais les gars. Non, c'est que j'ai mis cette casquette parce qu'à chaque fois ma copine elle me dit 30 secondes, t'es rapide quand même. Voilà. Les autres ils osent pas pour le regard des autres. Ouais, mais c'est ça. C'est ça, les gens en fait, les gens maintenant on est dans une case. Le problème c'est que si vous regardez bien, quoi qu'on fasse maintenant, tout est noté. Tout est, tu vois, c'est, faut mettre un j'aime quelque part. Ce qu'il a fait, c'est bien. Regardez, tu partages si c'est bien. Donc, on met des gens dans des cases et beaucoup de gens se fient. Ah bah, si t'es pas comme ce que tout le monde aime, bah t'es bizarre. Bah excuse-moi, moi des fois être bizarre, je trouve ça bien, quoi. C'est vrai qu'elle était bonne. Ah, tu vois. je sais vous faire rire un petit peu, les gars. Je sais vous faire un petit peu. Mais ouais, non, il faut vraiment vivre sa vie pour soi, les copains. Et enfin, moi, je pars de ce principe-là, tu vois. C'est regarde, un truc tout con. L'autre coup, au travail, vu que j'ai une grosse barbe, au boulot, il me parlait. Il y avait un collègue de boulot qui me disait « Ouais, putain, je te verrais bien avec une barbe en mode un peu pirate, tu vois. » Et chez moi, j'ai des perles de barbe et tout. Le lendemain, je me suis pointé au boulot. J'avais mis les trucs, j'avais fait des tresses et tout dans la barbe pour faire une ambiance un peu pirate. Ça l'a fait rire et tout. Bon, je passe un bon moment parce que tout le monde s'est arrêté pour me dire putain, elle est stylée ta barbe et tout. Mais tu vois, je l'ai fait parce que ça me plaisait. Je m'en foutais de ce que les gens pouvaient dire. Bah, ça fait ça, ça fait ça. Oh, tu ressembles à ça. Faut s'amuser, les gars. On vit qu'une fois. Hein. On vit qu'une fois, comme on dit. Hein, c'est pas quand tu seras entre quatre planches qu'il faudra te dire oh merde. Ah putain, ça je l'aimais bien et je l'ai pas fait. Moi, je l'ai appris tard hein, à faire ça. Hein. Avant, c'était pareil. J'étais quelqu'un qui avait vraiment pas confiance en moi. Même ça arrive encore aujourd'hui. Hein. J'ai pas totalement confiance en moi, mais un peu plus. Et je me suis dit, voilà, il faut que je vive pour moi, quoi. C'est parce que t'es bizarre qu'on t'aime bien. Bah, j'espère bien, les gars. J'espère bien. Moi, je suis bizarre. Bizarre comme c'est bizarre. Puis bon, c'est propre. C'est le propre de l'homme d'apprendre de ses erreurs. Exactement. Exactement. On m'a toujours dit, ne vis pas avec des regrets, mais avec des remords. Il vaut mieux vivre avec des regrets que des remords. Non, je sais plus. Non. Faut pas vivre avec des regrets. Je sais plus, on m'avait donné une phrase comme ça à la con. En tout cas, t'as un truc, fais-le. Ouais, c'est ça, inverse. Je suis un chinois. Moi aussi, je parle japonais. Ça veut dire oreiller en japonais. Rires.
Ah putain les gars, j'ai essayé de faire un bon truc là, tu vois, je voulais me la péter avec une phrase qui tue. Je vais me faire à manger, je re... Bah pas de soucis. Oh là, le petit lapsus, Pandix, c'est du biflo, hein. Ouais, petit lapsus, là, j'aimerais pas voir ton historique, mon petit Pandix, hein. On peut bien se mentir mille fois, mille personnes, mais attends, non. Exactement. Et vous faites pas de ma gueule, d'accord. Hein. Bon, mais quoi, du coup, parce que dans ce choix, là, l'autre, il restait bêté comme ça depuis tout à l'heure. Vas-y, on met intéressé. Intéressé. Je savais pas que Monsieur H aimait ce genre de truc. Merde, il écoute peut-être le même podcast que toi. C'est son hobby secret, sans doute. Ouais, un hobby de luxe. Bah en même temps, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Ouais, j'imagine qu'on se sent vite seul au camp une fois que tout le monde est parti. Ouais. Ok, mais pourquoi il s'est donné tout ce mal pour cacher cette pièce, avec une porte secrète dans le placard? Bah... C'est pas vraiment une porte secrète, c'est plutôt... caché derrière des trucs. Ouais, une porte secrète, c'est bien ce que je dis, Ryan. C'est super chaud, mec, c'est super ouais, chaud. Je comprends ce que tu veux dire, mais... Y a forcément un truc dégueu ici. Dylan, ça nous regarde pas. Et si tu veux vraiment le savoir, t'auras qu'à lui demander demain. Je suis sûr qu'il se fera un plaisir de te répondre, tu verras. Ok, ouais, on verra ça. Ok. Je sors du repère secret. A plus. Hé, hey, tu viens d'admettre que c'est un repère secret. Regardez les vidéos un peu. S'il y a un truc qui pop ou quoi. Pandix, il regarde son PC comme ça aussi. Tu tapais dans mon navigateur, je suis spoté. Bah, je me doute. Est-ce qu'il y a quelque chose sur les trucs? C'est quoi ça? C'était sûrement rien. Gros, c'est sûrement rien. T'es le premier à te dire, il y a quoi? Il y a un truc qui flippe et tout? Attends, je revérifie. Est-ce qu'il va avoir une autre caméra ou quoi? Je pense pas. Non, il y a rien. Et okay, là, il se passe rien. Regarde pas. J'ai un peu une chasse à l'homme rituel avec des mecs baignés dans du sang et des machettes affûtées. Exactement. Yep, ouais, ouais, bah c'est clairement les vieux d'hier. Hein. Oh, attends, il y a des outils là. Vas-y, prends. Pourquoi il les prend pas? Ah, c'est bon. Ah. Bah. Affichez le texte. Max, camp de vacances, Laura. Ah, c'est les gens qu'on a perdus là. Okay. C'est grand. Y a rien d'autre. Y a rien d'autre. Est-ce que je veux voir un truc? Est-ce que... Ok. Je voulais voir si, regardez, s'il y avait une carte ou des trucs. On n'a pas trouvé de carte, les gars. C'est ça qui me... Du coup, les téléphones, on fait quoi? Cool. Chargé. On a rien oublié, je crois. Hein. Attends, je veux voir un truc. Attends. Je vais tester un truc. Si je reviens vers le fusil, il va me faire une réflexion. Eh, hey, touche pas au fusil, mec. Ok. À vos ordres, chef. Je voulais voir ça, déjà. Est-ce qu'on peut lui causer
Alors, tu sais déjà ce que tu feras quand tu seras rentré? Fac ou... Y a rien de sûr. Oh, je vois. Une copine? Pas vraiment. Un copain? Sans attache. Cool, ouais. Pareil. Les portables, ils sont... Ouais, certainement. Tu veux regarder? On devrait les laisser une minute ou deux, pour être sûr. Attends, je peux lui recoser ou quoi? Ou il dit la même connerie? Et si tu vas à la fac cette année, est-ce que t'as... choisi une matière ou... Je sais pas trop, mec, mais j'ai pas envie d'en parler maintenant. T'as pas encore décidé de ce que t'allais faire de ta vie? Eh, les portables sont chargés? Ok, le mec, il a vraiment pas envie de causer, quoi. Cool. Chargé. J'ai pas l'impression que ça bouge, de toute façon. Parce qu'au début, je me suis dit, est-ce qu'il faudrait pas les laisser un peu plus longtemps, tu vois? C'est sérieux, ça fait même pas 20 minutes. Ah bah ouais. Quoi qu'on a... Moi je trouve que mon portable il tient mieux quand il reste 15%, tu vois. Allez, on fait à la fête. Hey, c'est bon ça. Ok, cool, on sort. Merci. Mais de rien, ça fut un plaisir. Ça, vous êtes toujours pris dedans quand même, les copains? Je pense que ce soir, ça va être encore un peu ces ambiances-là. Dommage qu'on n'ait pas la tronçonneuse de Monsieur H. C'est un coin très agréable quand les enfants sont pas là. Ils peuvent être un peu chiants, hein? Ouais. Ils ont l'air attentifs pendant ton cours de peinture. T'as vu mon cours? Juste en passant. Le cabanon des arts n'est sur le passage de personne. En fait, j'ai pris un raccourci qui passait pas loin. Je suis content. Tu veux qu'on aille où? Je te laisse choisir. Shady Glade, Rocky Road. Ah, je sais pas. Rocky Road, non? Ça sonne bien Rocky Road. Après, c'est comme tout. Est-ce qu'on se fie au panneau? Tu vois, le Shady Glade est allumé, Rocky Road, il est sombre. Re-Félix. Venez, on va à Rocky, non? On se fait un petit Rocky Road? Ça me plaît bien, Rocky Road. Ah, vas-y. Bien vu. Le bois est mieux par là. Le bois est mieux? Ouais, pour faire du feu, un truc du genre. Tu crois que ça suffit? Adrien. Pas encore. Ok, je peux voir, je peux pas. Ouais, je peux pas vraiment quitter le chemin en fait. Ok. T'es sûr que ça craint rien? Quoi? T'as peur? Non. Et toi? Non. Mais on va par où, du coup? Gauche ou droite, les copains?
Ça a l'air sombre là-bas. Comme il suit bien le coup. Y a quoi là-bas, je suis quand même curieux. En fait, je suis pas trop curieux, quoi. Merde. Tout va bien. Allez, respire. C'est un signe, hein, aussi, fille. Hein. On continue ? À choisir. Ah, je sais pas. On continue ou on fait demi-tour, les gars? En même temps, je suis très curieux. Je sais pas pourquoi je sens qu'il peut y avoir une carte ou une connerie. Voilà, ça va. S'il y a un truc qui tombe, tu le vois arriver quand même. Jamais ce qui nous attend. Genre, après la mort, tu plombes l'ambiance. Non, je voulais dire, notre avenir. Ouais, parfois. Tout le temps. Ça me prend la tête. Je sais ce que c'est. Parfois, je voudrais simplement me laisser aller. Hein ? Pour pécho. Genre, il se passera bien ce qui doit se passer. Comme si tout était écrit à l'avance. Le destin. Autain. Pourquoi autain? On m'est perplexe du coup. J'ai pas envie qu'ils s'embrouillent les deux là. On m'est perplexe les gars. Faut bien faire le mec pour pécho, exactement. Elle a un petit air de Fiona dans Shrek, le bâtard. Vas-y, on met perplexe. Vas-y. J'en sais rien. Peut-être qu'il vaut mieux pas le savoir. Ouais. Le destin, ça sonne un peu comme une excuse. Comment ça ? Parce que si tout est écrit d'avance et que tu fais un truc horrible, tu peux sortir une excuse du genre « Ben, c'est pas vraiment ma faute parce que tout est prédéfini, alors je suis pas responsable de mes actes, en fait. » J'avais jamais vraiment vu ça sous cet angle. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun problème si c'est ce que tu penses. Ouais, non, je comprends. Ouais. Si vous voulez baiser, les gars, c'est pas maintenant. Pardon, excusez-moi. Y'a pas une petite carte là cachée là? C'est quoi ce petit endroit là? On peut aller là là? Petite carte ça! Allez! Petite carte! Pourquoi on peut venir là? Alors qu'il y a un escalier là. Pourquoi il regarde en haut? Arrête de regarder en haut. Putain, je peux pas y aller là. Merde, chier. Je crois que je sais où on est. Hein? Par ici. Tiens, prends ça.
Ok. Ah, le petit sac avec Singo qu'on aimait bien. Cette vue est juste. Waouh. Joli le plan là. Elle est trop choupie. Moi je l'adore elle, moi. Taquin, dessine-moi, sincère, tu as du talent. Est-ce qu'elle peut le prendre bien une petite blague? Sincère, ça peut être sympa aussi de lui dire, de la complimenter. Dessine-moi comme t'es. C'est comment qu'il lui dit? Dessine-moi comme t'es française, je sais pas comment. On met quoi les gars? Sincère ou taquin? Il y a un truc qui me dit d'envie de lui dire sincère. Parce qu'elle a l'air prise dans son truc, tu vois, dans son délire. Vas-y, sincère. Merde, Abby, t'es super douée. Non, non, c'est rien, rien du tout. Non, sérieux, je dis pas ça pour... C'est sommaire, mais si j'arrive à capturer des trucs, je m'en souviendrai mieux plus tard. C'est cool que tu te connaisses aussi bien. Ouais. Si, tu le dis. C'est vrai, on sait pas tous de quoi on est capable, tu vois. Je suis sûre que t'es très compétent, Nick. Ouais, sans doute, seulement... Pour faire quoi? Tu le découvriras. Pas pour draguer, déjà. Pardon, excusez-moi. C'est sûrement rien. Non, écoute, il y a quelque chose. Ah, regarde. Oh. Il est tout petit. Ouais, c'est plus qu'il y a la grosse derrière aussi. Hein. Mon Dieu, il est trop chaud. Sauver Abby? Sauver Abby? Vous êtes en danger. La cible d'une créature d'origine inconnue. Ne respirez pas. Retenez votre souffle. Faites croire à la bête que vous n'êtes rien qu'un cadavre. Quel plaisir y aurait-il à chasser une chose déjà morte? Notez les modifications de l'image et du son au fur et à mesure que la menace approche. Une fois le danger passé, courez. Choisissez le bon moment et sauvez-vous. Attention, expirer ou courir au mauvais moment peut faire de vous la proie de la créature et conduire au désastre. Oh putain. Il faut que je fasse quoi là? Comment je sais que je relâche? Une piétinée à mort. Ah, je suis désolée, oh. Désolée. Oh, le petit sanglier. Autain. Non, on va... Euphorique, vas-y, on rigole.
Elle aura au moins une bonne histoire à raconter à son mari. Comment tu sais que c'était la maman ? J'avais un très bon point de vue. Burke ! Je crois qu'elle me draguait. Oh, tu t'es trouvé une petite copine ? Elle n'était pas si petite. J'aime bien les musiques et tout, ça va bien l'ambiance comme ça, je trouve. Ça fait très Life is Strange, je trouve, pour ceux qui ont fait Life is Strange. La musique là, de ce plan là, je pourrais peut-être rentrer. C'est pas faux, Brock. Ah, tu vois. J'avais beaucoup aimé Life is Strange. Très, très bon jeu, Life is Strange. Le premier, moi j'ai fait que le premier. Mais j'avais surkiffé. J'étais amoureux de Chloé. J'adorais ce perso, Chloé. Je récupère enfin mon portable et je peux rien faire avec. Prendre une photo. Hé, hey, Kathleen, devine quoi ? Monsieur H est un vilain petit voyeur. Il a des caméras planquées partout et une salle secrète. Non, c'est pas... Minute, quoi ? Il a des yeux partout. Il nous observe tout le temps. Ah, mec, il a installé des caméras de chasse, de surveillance forestière, ce genre de truc. Oh. Tu trouves ça normal, toi ? Bah, il doit surveiller les environs, pour les enfants. C'est sans doute pour observer les animaux. Vous avez vraiment aucune imagination. Et sinon, quoi de neuf par ici ? Est-ce que tout est prêt ? Pas de réseau ? J'ai vu de la lumière dans la cabane. Vas-y, honnête. Bah, j'ai vu une lumière bizarre dans la cabane de l'autre côté du lac. Ouais, c'était un peu flippant. C'était peut-être ta meuf, Ryan. La folle de Hackett Squarry. Ah, je t'ai dit de plus jamais prononcer la folle de Hackett Squarry. Pourquoi je dirais plus la folle de Hackett Squarry ? C'est fini ? Les gars, je viens de réaliser qu'on se reverra peut-être jamais après ce soir. T'es longue à la détente, ma vieille. J'essaie de mettre l'ambiance. L'ambiance ? L'ambiance, la vibe, vous voyez ? À propos, c'est pas tout ça, mais moi, j'ai du boulot. Ok ? Parce que les playlists, ça se fait pas tout seul. Si, c'est possible, mais... Allez, Ryan, bouge ton petit cul. Pardon ? Ouais, t'as bien entendu. Abby, Nick, pile à l'heure. On a du bois. C'est le moment de l'envoyer. C'est seulement du petit bois. Oh, ça suffira. On a déjà un bon gros tas de bûches. On en avait plus que ça, mais on a vu un sanglier, une femelle. Et Nick s'est montré très courageux, il s'est sacrifié. Le port de la Kessuris, vous allez bien ? Ah, on met quoi ? Taquine ? Taquine, ça peut être une petite blague ? Parce que vous allez bien, ils ont pas l'air d'être morts, quoi. Le deuxième était cool, je suis pas objectif sur les jeux entre frères. Le 2, c'était avec les frères, le 2 ? Je sais plus. Ah, je l'ai pas fait celui-là, parce que je sais qu'il y avait Before the Storm, il fallait que je le fasse, parce qu'on m'avait dit, toi qui avais kiffé Chloé. Le 2, enfin, Before the Storm avec Chloé est pas mal. On met quoi, taquine ? On met taquine, les gars ? Taquine. Vous en pensez quoi ? C'est sérieux, vous allez bien, ils ont pas l'air traumatisés, hein. Vas-y, taquine. Oh mon dieu, c'est pas possible. Le port de Hackett Squarry ? Quoi ? Croyais que tu détestais ça. L'humour, ça demande des gros sacrifices. Quel courage. Oh, j'aimerais tous vous réduire en petites figurines et vous mettre dans ma poche et vous regarder quand je me sens triste. Oh. D'accord. Oula. Malaise ? Oh. Oh. Livraison spéciale ! Wow, wow, wow.
Qu'est-ce que vous foutez avec ce fusil ? C'est bon, relax, ok, c'est même pas un vrai. Enfin, si, c'est un vrai fusil, mais on l'a pris pour les ours. En fait, on l'a trouvé dans la réserve. Ok, c'est bon. Ça va, on va le ranger. Merci. Les armes, c'est dangereux, crétin. Et on vous a préparé une petite sélection de tout ce que le camp de Hackett Squarry a de mieux à vous proposer. Mais non, arrête. Et ouais, ma poule. Pop, pop, peanut butter, butter pops. Pop, pop, ça fond dans la bouche. Pop. Je savais même pas qu'on pouvait encore en trouver. Hé, hey, tout doux. On se calme, cow-boy, d'accord? Ces trucs-là, c'est pas pour toi. Mec, tu peux pas me montrer ça et me dire que je peux pas faire fondre les pop-pop dans ma bouche, sérieux. Emma, le fusil, s'il te plaît. Quoi? Tu vas me tirer dessus pour ça? Mais non, t'es débile. Je veux juste qu'on fasse un petit duel. Non, mec, c'est hors de question, non. Moqueuse, ce n'est pas une bonne idée. Strict, je ne te laisse pas avec une arme. On fait quoi? On met strict, non, quand même. Ça peut partir en couille, sinon. Jacob le trou du cul. Perso, strict. Ouais, vas-y, strict. On joue pas avec une arme. Stop! Je vais pas laisser deux débiles comme vous jouer avec une arme. Non mais allez, s'il te plaît. Le stand de tir est juste à côté. Ce sera marrant, allez. Bon, écoute. Toi et moi. Un duel à l'ancienne. Premier prix, les peanut butter butter pops. Pour toi tout seul. Mec. En fait, tu les veux pas vraiment, hein? Bon, t'as gagné. Ouais, top! Jacob, donne-moi ce fusil. Tu toucheras pas d'arme à feu tant que tu te comporteras comme... Bon bah, tu peux être l'arbitre. Il nous faut un juge impartial. Écoute, Jacob, on essaie de faire une soirée sympa. Ça va, la fête va pas s'arrêter parce qu'on se fait une quête secondaire. Allez! S'il te plaît. Vous remarquez, il commence à faire nuit. D'accord. Hein. Ouais. Alors c'est parti pour un duel à l'ancienne. Il y a une clairière qu'on peut convertir en stand de tir. Mais si l'un de vous deux fait une connerie, on arrête tout direct. Oh, on sera sage. Ok, bon, juste pour info, j'ai été tireur d'élite. Troisième classe, 3 ans d'affilée, classé meilleur du camp à chaque fois, juste pour que tu saches que t'as aucune chance, Nick. Mais si tu renonces maintenant, je te laisserai peut-être goûter un peanut butter butter pop. Tu rêves? Tu m'as jamais vu tirer. Ouais, sûrement parce que t'as jamais tiré. Ouais, ça c'est ce que tu crois. Je crois que je serai au courant si t'es... Ok les gars, alors je vous arrête tout de suite. Même si j'adore vous voir essayer de jouer les machos, dès qu'on sera sur le stand de tir... On jouera selon mes propres règles et on discute pas, pigé. Très bien. Bon, je vais poser des cibles et chercher des cartouches. En attendant, ne bougez pas et ne touchez pas à ce fusil. Putain, c'est moi ou elle est canon quand elle donne des ordres comme ça? Je suis toujours canon, petite bite. Ouais, ok, merci. Bye, bye. Bon alors, ce petit tête-à-tête avec Abby dans les bois... Comment ça va avec Emma? Optimiste. Vas-y, on est optimiste. C'était pas mal. C'est pas mal. C'était pas mal. Hey, c'est bon ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on a un peu flirté. Elle est très brillante. Ouais. Ouais. Mais t'as conclu ou pas? Sois pas dégueu. Non, y a pas de souci, t'inquiète. On a tous des petites baisses de régime parfois, mais tu devrais te dépêcher avant qu'un vrai mec prenne ta place. À ce propos, laisse-moi te montrer comment un vrai mec tire son coup. Sérieusement, vous êtes encore en train de vous la raconter? Non, je crois qu'il a une commission. Ah. Allez, s'il te plaît, le fusil. Tu l'auras quand je l'aurai décidé. Ok, écoutez-moi, voilà comment ça va se passer. Visez la cible la plus à gauche. Nick d'abord, et Jacob ensuite. Ne mettez le doigt sur la détente qu'une fois prêt à tirer. C'est compris? Oui, chef. Très bien. Deux choses. Pensez au recul... Et à la dispersion. C'est un fusil à pompe, pas du tir de précision. La lampe torche vous montre où vous visez. Oula, attends. Il y a didacticiel. Attends, on l'a vu ça? Ouais, retenir le souffle. Ouais, vous êtes en danger.
la cible d'une créature d'origine inconnue. Merde. Ne respirez pas. Retenez votre souffle. Ah, si. Faites croire à la bête que vous n'êtes rien qu'un cadavre. Quel plaisir y aurait-il à chasser une chose déjà morte? Notez les modifications de l'image et du son au fur et à mesure que la menace approche. Une fois le danger passé, courez. Choisissez le bon moment et sauvez-vous. Attention. Je peux pas le passer du coup. Expirer ou courir au mauvais moment peut faire de vous la proie de la créature. Excusez-moi. Et conduire au désastre. Je voulais voir c'était quoi le truc avec le didacticiel avec le fusil, c'est lequel? Combat, c'était combat, on n'a pas vu. Je crois, hein. Ouais. J'ai le regret de vous informer que durant votre séjour, il pourra arriver que vous ayez à vous défendre en usant d'une force potentiellement létale. Lorsque vous combattez, levez simplement votre arme et tirez là où pointe la lampe torche. Notez que plus vous serez proche de votre cible, plus vous lui infligerez de dégâts. Plus vous serez loin, plus le tir se dispersera et moins les blessures seront graves. Il y a un lieu et un temps pour l'usage des armes, et vous devrez prendre en compte toutes vos options. N'oubliez pas, il n'est pas toujours bon de presser la détente. Vous pourriez blesser quelqu'un. Ok. Donc c'est juste qu'il faut pointer où il y a la lumière, ok. Évidemment. Donc elle a dit le plus à gauche. Là on est le plus... Là il y a une bouteille là. Super Nick, un point, ouais. Je t'ai dessus. Ok, on est trop loin pour vraiment faire des dégâts. On va avancer un petit peu et on va éclater tout ça. Allez Nick, on rigole plus. J'étais dessus, hein. On est d'accord, les gars. Elle a dit le plus à gauche. Là, je suis dessus. Joli tir. Bon, attends, tu m'as pris pour qui? C'est la fête foraine, moi, les gars. Oh, les deux. Une machine, les gars. Un point pour Nick. Bien joué, Nick. Allez. Montre-nous ce que tu vaux. Ok. Vaut peut-être mieux fermer les yeux, Nick. Je voudrais pas te filer encore plus de complexes. C'est bon, ça va. Ferme-la et tire, Jacob. Oh, je croyais que t'étais un super tireur d'élite. Ouais, avec un vrai fusil, hey, ok. Mec, fais attention, là. Hey, le canon à plomb. Tu vas finir par tuer quelqu'un. Non, t'inquiète, il m'aurait raté de toute façon. Hey. Ok, disqualifié pour avoir joué au con. Quoi, mais non. Amical, bien joué. Triomphant, chanson des Butter Pops. Viens, le nari. C'est un Stormtrooper, exactement. On met quoi, les gars? Amical ou triomphant? J'avoue que c'est quand même rigolo de faire la danse. Il nous branche. Il nous branche et j'ai envie de le brancher aussi, tu vois. Vas-y. Ouh, t'entends, Jacob? Hein? Hein? Pop, pop! Peanut butter, butter pop! Ok, c'est bon, j'ai compris. Bam! Qui a dit que c'était fini? La vache! Wow. Pop, pop, peanut butter, butter pops! You
Ok. Nouvelle idée. Petit jeu. Allez, sérieux, ce soir c'est peut-être la dernière fois qu'on se voit. Faut qu'on se fasse des souvenirs. Qu'est-ce que tu proposes ? Pourquoi pas le plus grand jeu des petits secrets et mensonges, action ou vérité, mais à la Dylan. Ok, alors voilà mes règles. Quelqu'un vous demande action ou vérité, vous choisissez et puis vous faites. Et pas de si, de ou de mais. En fait, action ou vérité. Ouais. Donc genre, on peut demander d'embrasser. Si on choisit action, oui. Du moment que les deux sont d'accord, bien sûr. Ça marche. Enfin, vous emballez pas tant que c'est pas votre tour, mais... Bon, et par qui on commence ? Eh ben, c'est la maison qui choisit, donc... Abigail. Action. Vérité. Tu veux pas prendre de risques, hein ? D'accord, on y va. As-tu déjà couché avec quelqu'un ? Je... M'interrompre ? Vas-y. Hey, vas-y doucement, mec, tu vas trop loin. Attends, j'ai pas fini. As-tu déjà couché avec quelqu'un dans ce camp ? Non. Désolée. Non. Ok, Abby, c'est à toi. D'accord, alors... Abby, sérieusement, choisis quelqu'un. Ok. Je sais pas. Ding, 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 trop tard, à moi. Ryan, action ou vérité ? Vous voulez qu'on prenne quoi, les gars ? On prend quoi, les gars ? Avec Ryan. Ryan, il est un petit peu sérieux. Putain, il est défoncé, le mec. Kukiti n'avait pas voulu rester à l'intérieur. Action, vérité, action, vérité. Les gars, action, vérité. Vous êtes 50-50 là. Ah non, il y a deux vérités. On met vérité. Je suis sûr, elle va lui demander si quelqu'un lui plaît ici. Non. Il y a deux vérités pour l'instant. Parce que Singo, il a mis deux fois action. On met vérité. Allez, vérité. Vérité. J'ai rien à cacher. Ok. On va y aller, Franco. Vas-y, je t'écoute. Toi et Monsieur Hackett. C'était sûr. Qu'est-ce que vous faisiez dans son bureau ? Honnête ? Est-ce qu'on est honnête ? J'ai envie d'être honnête, les gars. Ouais, honnête. En même temps, il a besoin d'un conseil, il a le droit de parler à quelqu'un. Eh ben, je sais ce que tu veux entendre, mais en fait, bah, c'est rien de passionnant. Mais si tu veux savoir, je lui ai demandé conseil. Conseil, hein ? Wow, Emma, laisse, je m'en occupe. Alors, dans tes paramètres, il y a une option qui s'appelle mode incognito. Et si tu fais ça... Non, un conseil d'orientation. Et c'est pas juste, j'ai déjà répondu à ma question. On peut peut-être t'aider. Je sais pas trop, vous avez déjà vos problèmes à régler. En plus, je crois que si je prononce simplement le mot étude, Jacob va nous faire une crise cardiaque. Oh, attends, qu'est-ce que je t'ai fait ? À mon tour, qui je vais choisir ? Jacob et moi, on n'a pas encore joué. C'est vrai. Vous voulez qu'on prenne qui ? Jacob ou Caitlin ? Comme ça, on choisit ensemble, les copains. Vous faites participer. Qui vous voulez voir, là ? Caitlin ou Jacob ? Jacob ? Vous voulez Jacob ? Jacob qui morfe. Allez, va pour Jacob. Allez, Jacob, on va voir ce que t'as dans le ventre. Action, balance. D'accord.
Mon action, ce sera de faire un saut au-dessus du feu de camp. Oh merde. À poil. Ah oh mec. Mais grave. Ouais, je vais faire ce saut sans problème. Ouais. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Il a pas les balles hein, sur lui. Non, Jacob, stop. Fais pas ça. Oh la putain. Non, non, je suis vraiment pas d'accord. Tu vas te faire super mal. Quoi? Mais non, ça craint rien. Ryan, sérieux. Oh, d'accord, on annule. Tu sais quoi? Je joue plus. Ok? Je vous laisse mon tour. Ok, ça marche. Je joue à ta place. Si tu veux. Emma. Action. Emma, tu vas embrasser... Jacob. Ou... Oh. Nick. Dans ce cas... Désolé, Nick. Mais c'est même pas vraiment un choix. Forcément, je sais pas ce si c'est moi. Une bonne idée. Ce sera Nick. Oh la putain. Même pas elle pense à Abby, quoi. Je pensais qu'elle aurait pensé à Abby, quoi. Emma, t'es sérieuse? Hey. Hey. J'avoue, c'est pas cool, quoi. En plus, on les a fait être bonnes copines, tu vois. Merci, Nick. Enfin, dans le délire, moi, j'aurais été respectueux sur ça, tu vois. Juste pour Abby, au moins, tu vois. Ça, c'est pas cool, par contre. En plus, Abby, c'est ma préférée, quoi. C'était juste un jeu. Je suis la copine de personne. Ferme ta gueule avec ton « c'était juste un jeu », mes couilles, ouais. Jacob, grandis. Bon, j'imagine que je devrais le rattraper. Et toi, tu devrais rattraper Abby. Ouais, si t'avais pas fermé ta... Si t'avais pas fait ça aussi, connasse, on n'aurait pas fait ça. Bon, quelqu'un veut faire une partie d'échecs? Quoi? J'aime bien ce petit air de Dark Country, il passe trop bien, quoi. Caitlin, c'est pas une actrice porno? Oh. Rebonsoir. Ah non, une actrice connue, je pardon. Je suis, comme toujours, ravie. Mais ça aurait pu... de je croyais que tu parlais... Est-ce que je suis une actrice porno, du coup. Alors, qu'avez-vous trouvé de nouveau? On n'a pas trouvé de carte, les gars. Vous n'avez pas de nouvelles cartes. Mais Mais vous êtes de retour, demandez-vous pourquoi. Je ne peux pas vous aider sans cartes. Vous devez les trouver. Vous devez me les rapporter. C'est dans votre intérêt. Mais j'ai pas trouvé d'autres cartes, tu me fais chier. On a cherché en plus. C'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Les secrets demeurent enfouis et la nuit s'assombrit. Je vous reverrai, n'en doutez pas. Méfiez-vous. Là où vont les loups, les corbeaux suivent. Putain, on n'a pas de carte, les gars. On n'a pas vu de prédiction. Mais je sais pas où j'aurais pu trouver une carte. On a tout cherché, on a tout fouillé. Chapitre 3. Vous voulez qu'on continue une petite demi-heure, quand même? Quel jeu débile. On est au collège ou quoi? Mais non, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Chacun embrasse ce qu'il veut, c'est débile. Débile. Oh, génial, je suis où, là? Oh, putain. Ah non, Abby. On peut revenir sur nos pas ou pas? Mais bon, ça montrait là-bas, je suis curieux, moi.
Là, je suis dégoûté, quoi. J'avoue, Emma, elle a foutu son putain de bordel. Une vraie saloperie, celle-là. Hein. Ah ouais, on peut aller un peu partout. On va chercher s'il n'y a pas une carte, du coup. Ah ouais, mais ça va être grand, là, les gars. Voilà, Bi, prends ton manteau, ça va. Vas-y, on se barre, on se barre, on se barre. Tu peux trottiner, je t'en veux pas. Abby, il faut qu'elle vive, les gars. J'ai pas envie de tuer Abby. S'il y en a une qui doit mourir, on met Emma. Ah putain, on va où? À droite ou là-bas? Une carte. Putain, on en a loupé deux. Fais chier. La maison Dieu. Échapper à vos problèmes. Fuir ou combattre, c'est la question que nous nous posons tous. Mais bien souvent, quand nous échappons au danger, nous sommes confrontés à un péril plus grand. Chaque pas pourrait être votre dernier. Oh, bon, 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 bon. Quand nous, c'est cette phrase qui me plaît pas. Quand nous nous échappons au danger, nous sommes confrontés à un péril plus grand. Ah oh putain, ça pue du cul ça. Ça veut dire quoi? Qu'il faut accepter le premier danger? Je veux pas que tu meurs, Abby. Réponds, réponds. On rappelle ou pas? Ouais. Nick! Abby! Recommence! Je suis par là! J'arrive! Nick! Salut. Oh. Salut. Tu... T'es parti? Après, tu t'es fait plaisir, Nick, aussi, hein, salopard. T'aurais pu dire non. Hein. Il l'a dit, en plus, si les deux sont d'accord. Honnête, c'est aller trop loin. On est honnête, les gars. Hein. Je crois que ce jeu est allé un peu trop loin pour moi. Je comprends ce que tu veux dire. Prudente ou directe? Alors toi, Emma... C'était dans le cadre du jeu, en fait. Y a pas de alors toi Emma, mais à propos de ce qui s'est passé, j'ai envie d'être prudente, non? Parce que je suis toute belle, j'ai envie d'être prudente moi. Tu sais, elle reste un peu sur ses gardes. Honnêtement les gars, j'ai envie de la protéger Abby. Au moins si on en sauve une, j'ai envie que ce soit elle. On met quoi? J'aurais envie de mettre prudente.
Donc vous mettriez direct. On est direct. Donc direct. Je vous fais confiance, les gars. Allez. On dirait qu'Emma a toujours eu un faible pour toi, hein? Quoi? Non, trop pas. Elle voulait juste rendre Jacob jaloux. J'ai juste joué le jeu. T'avais l'air ravi de jouer le jeu. J'étais content d'aider Emma à rendre Jacob jaloux. Mais c'est tout. Non, il mérite pas. J'ai pas embrassé les gars, j'ai bien fait. Je crois pas que c'était Emma qui tirait les ficelles. Qui alors? Ça serait trop simple. Eh ben, Kathleen, tous les autres, en fait, mais surtout Kathleen. Elle est sournoise. C'est un jeu à la con, Action Vérité, hein. Ça me fait chier parce que j'aurais aimé qu'ils soient ensemble, il avait l'air cool et tout, mais le fait qu'il... Je trouve ça trop facile, tu vois, il a pris du plaisir à embrasser l'autre, sachant qu'il savait qu'elle, elle regardait pour le truc, alors qu'elle a un faible, enfin, ça se voyait et tout. Pour le coup, j'avais pas envie de lui donner le... En gros, il se tape l'autre et puis là, il a... Vas-y, t'as embrassé l'autre, ça me fait mal, mais je te fais un petit bisou, quoi. Non, ça marche pas comme ça. Kathleen, elle est chafouine. Ouais, mais là Emma elle a foutu un putain de bordel. On les mettra peut-être ensemble, mais plus tard. Pour l'instant, elle se donne pas. Abby, il faut la préserver. Regarde, elle est pas toute choupie quand tu la regardes comme ça. T'as envie de la protéger, cette petite Abby. Désolé, peut-être que ça nous désinhibe. Ok, méprisante. C'est complètement con. On met quoi? J'ai pas suivi avant. C'était quoi qu'ils ont dit? Après, méprisante, j'ai peur que ça mette de la tension, tu vois. On met quoi? Vous mettez... Désolé, on mettrait non? Après, il n'y a pas mort d'homme non plus, mais... on lui donnera pas ce qu'il veut, quoi. Après le jeu en soi n'était pas con. C'est juste que les gens n'ont pas respecté. Parce qu'en plus, ils ont dit, si les deux sont d'accord... En plus, le mec, il l'a dit, si les deux sont d'accord, ouais. Bah, vas-y, bah, vous voulez qu'on mette méprisante, allez, vas-y. Complètement débile. On a plus 12 ans. On s'en fout de ce que font les autres. Pas vrai? Ouais. Ouais. Et puis, on n'embrasse jamais la personne qu'on veut vraiment embrasser dans ce jeu. Pas vrai? Tu te souviens, au tout début de la colo, quand on a dû emmener nos groupes au parcours d'acrobranche de l'île ensemble? C'est là qu'on s'est rencontrés. Tu te souviens de ce gamin? Celui qui a eu un accident sur le parcours? Ouais. Il savait plus où se mettre, le pauvre. Il a cru que sa vie était ruinée. J'ai pu l'emmener se nettoyer avant que quelqu'un s'en rende compte. À part toi, faut croire. Merci d'avoir rien dit. C'était pas la première fois qu'on s'est rencontrés. C'était à la course d'orientation, le premier jour. Ah bon? Il y avait des millions de gens. Mais honnêtement, j'ai pensé que t'étais un con. Ouais, mais maintenant. Je t'ai dit bonjour et tu m'as à peine calculé. Oh merde, je suis désolé. La plupart des moniteurs se moquaient de leurs gamins. Ils les charriaient un peu. Jacob le faisait. Emma le faisait aussi, des fois. Pas toi. Ça m'est arrivé. Il y a des trucs dont je suis pas fier. Il essaye de se rattraper, hein, le bougre. Il y arrive. Hein. On a tous nos moments critiques. Arrête de suivre Jacob. On va mettre compréhensive, là. Il n'y a pas vraiment de... Il discute, machin. Il a le droit de s'amuser aussi, mais... Il remonte. Vas-y, on met compréhensif, on va apaiser le truc. Ça peut arriver à tout le monde.
Mais un truc comme ce qui s'est passé au parcours... C'est là que j'ai su. T'as su quoi? Que je voulais t'embrasser. Oh merde. Ah bon? Non, il va l'avoir son truc. Trop tôt, trop tôt. Je m'en étais pas rendu compte. Oh. À ce moment-là. Je suis pas très doué pour exprimer ce que je ressens et tout ça, mais... Merci de me le dire. Alors? Alors, j'essaie de te dire que... Tu me plais aussi. Enfin... Tu vois. Abby, je te donne pas comme ça, Abby. Bon, il va y avoir une run, là, les gars. S'il s'embrasse, je quitte le live. Ça me rassure pas. C'est encore un sanglier. Il va y avoir un QTE à la con, les gars. Je vais le louper. C'est un ours. Trop rapide. Cours ! Oh, comme il la laisse. Oh, le bâtard. Aidez Nick. On aide, on prend tous les... On aide. Oh mon Dieu. Non. Coup de péteux. Merci. Pas Abby. Touche pas Abby. Coup de péteux. Abby, il faut qu'elle vive. Se cacher, courir. Se cacher, on va se cacher pour voir. Putain, il me donne Abby pour faire ce truc là, mais les gars, pas Abby s'il vous plaît. Ma petite Abby. Grimper à l'arbre. On le fait ou pas? Vas-y, on tente. Ça pue les QTE de merde, mais... Péteux, coup de péteux. Il est où celui qui tire? Oh Abby. Oh Abby, t'es la prochaine Expendables. Je te kiffe Abby. Oh merde. Ça, vous kiffez, les gars? Réaction vérité. C'est un jeu marrant. Et...
Tu grave. When you first began, you got what you want. Now you can hardly stand it though. By now you know it's not going to stop. Ah, il est pas bien, ça le touche, hein. Il aime ça, Emma, lui. Going to stop until you wise up. No, it's not going to stop until you wise up. No, it's not going to stop. So just... Oh la connasse. J'ai envie de la faire payer, mais putain. Il faut bosser ta technique. Bon, bah, on dirait que t'as réussi à me trouver. Bien sûr. C'était plus marrant de venir ici en douce quand on avait peur de se faire choper, hein. Ouais, t'as raison. Jacob, je croyais qu'on était d'accord. Ça, nous deux, c'était juste pour s'amuser pendant les vacances. Ouais, non, je sais. C'est juste que... C'est juste que t'adores te donner en spectacle. Oh, Jacob. Sérieux, quoi. J'arrive pas à croire que tu lui aies roulé une pelle. Oh. Et en plus, devant tout le monde. Putain de merde, Emma. T'as quel âge, 12 ans? Non, mais Nick, oui. Enfin... Tu sais que j'adore ce mec, mais je crois pas qu'il ait déjà vu une nana à poil. Je suis désolée de te dire ça, mais j'ai eu sa langue au fond de la gorge et je peux te dire qu'il sait comment s'en servir. Oh, le bâtard, la base... Oh, la putain. J'adore ça me prendre pour un con, hein. Le mec, il est dans le mal et tu lui sors ça. S'il te plaît. La soirée était pas censée se passer comme ça. Quoi? Écoute, c'est pas grave. Non. Laisse tomber. Ok. Tu peux rester là à bouder et à t'énerver en imaginant la langue de Nick dans ma bouche. Ah! S'il te plaît. Ou tu peux aller nous chercher des serviettes. Pourquoi tu veux des serviettes? Bah, on avait dit juste pendant l'été. Et devine quoi? L'été n'est pas encore terminé. Ok. Ah, il est trop accroché. Mais elle, par contre, ouais, elle voit le mec qui est dans le mal, il pleure et tout. Et l'autre, elle lui dit, ouais, l'autre, il s'est bien m'embrasser, hein. Il a bien joué son truc. Ah, la putain. En vrai, j'ai horreur des nanas comme ça, quoi. Ok, elle va aller nager là-dedans. Parce que Jacob a peur que c'est pas un trou duc. Ah ouais, mais bon, il peut avoir des sentiments aussi. L'étoile. Après, c'est pas parce que le mec peut être un trou duc, mais il peut avoir des sentiments. Il a l'air de vraiment l'aimer, ça, Emma. Sur ça, moi, je peux comprendre. Tu vois, un mec, tu te dis en vrai, ouais, il fait des, tu vois, il fait des blagues, des machins, c'est un vrai connard. Mais à côté de ça, il peut avoir des sentiments aussi. Et il a l'air vraiment d'être accroché à elle. Et bon, après, moi, je trouve ça excuse pas tout. Tu peux vraiment être accroché à quelqu'un et. Moi, en vrai, ça me ferait mal. Franchement, ça me ferait mal. T'imagines, t'es accroché full à quelqu'un et l'autre, elle te dit « Ah ouais, excuse-moi, mais je l'ai embrassé, mais il sait bien m'embrasser. Hein. » Alors que toi, t'es déjà dans le mal parce que t'as vu la scène. Vu la meuf, il a grand intérêt à s'en remettre. Ouais, mais après, voilà, imagine, là, je pense qu'ils veulent le faire en mode « C'est un peu des ados, des machins, tu sais, vraiment comme les slashers, quoi. » Donc, ben, je sais pas. Moi je pourrais comprendre, tu vois. À sa place, ça m'aurait fait bien chier, quoi. Surtout si tu tiens à la nana. C'est l'étoile, les étoiles. Elles brillent dans le ciel nocturne. Et des balises lumineuses, des rêves d'espoir et de but. Ou un rappel de votre insignifiance. La crainte du désarroi. Croyez en la lumière des étoiles, qu'elle apporte la clarté et parfois une preuve.
Tu vas où tu vas où tu vas. Quel côté? On va faire ce côté là. C'est pas très vite. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Chapitre 3, hangar à bateau. Un article du journal récemment parlant de deux randonneurs disparus dans les bois. À la date de la publication, ils n'avaient pas été retrouvés. Ok. Je pense que c'est celui qui traîne au fond du truc, non? C'était peut-être pas loin. C'est pas tiré au pont, puis ça va pas tirer son coup. Oh, ça c'est petit, ça. Ça c'est petit, ça. Ah, Jacob, c'est un con, mais il a un truc que j'aime bien quand même. Il a un truc où tu te dis. Il veut faire son intéressant, faire un peu le mec et tout devant les gonzesses, mais je pense que c'est un bon gars, tu vois. Je sais pas pourquoi. Après, vous allez peut-être dire c'est moi qui suis naïf, mais. J'ai envie de croire que c'est un bon gars, tu vois. Aucune ? Non, j'ai compté, il y en a zéro. Connard. Non mais sérieux. Jacob, reviens par ici, tu veux ? Connard. Le connard qui était gratuit, mais c'est vraiment une saloperie. C'est quoi ces chiffres ? Ok, attends. Afficher le texte. Registre du hangar à bateau. Encore Gérard, mais pour combien de temps? Règle de navigation, rappel à tous les moniteurs. Rincer toutes les barques après l'utilisation. Attention, baignade interdite. Ranger correctement les barques pour éviter qu'elles se dégradent. Tous les enfants doivent impérativement porter un gilet de sauvetage. Si une barque chavire, faites tout de suite sortir les enfants du lac. Ne plongez pas à leur... ne plongez pas à leur secours. Utilisez une barque pour aller les récupérer. Ok. On a vu quelque chose? Je sais pas. Je pensais que c'était à prendre. Attends, il y a un truc là-bas qui m'intrigue. Là, là. C'est quoi? Ah, c'est juste une fleur. On dirait que quelqu'un a oublié de ranger ses rames. Elles sont mouillées. Ok. Tu vois, j'ai bien fait de venir là. Pas de carte, non, y a rien. Ok. Juste avant, je suis pas allé tout au bout là-bas. Je vais regarder. Oui, c'est vrai. Qu'il y en avait quelqu'un qui demandait du coup en quelle année c'était. Bien fait le bruit des craquements, les craquements des branches au sol. Ok, bon, on n'a pas de serviette. Ah, attends, là, il y a un panneau manuscrit interdisant de se baigner près du hangar à bateau. Quel danger peut-il y avoir dans le lac, dans un lac? C'est ça à cause toujours. Il
Alors attends, par contre. Ouais, ça c'est tous les chemins. 40. Il y a un truc qui m'a... Ah, c'est ça. Il y a un truc là, on n'a pas un truc là, là. Ok, bon, on pourrait peut-être se laisser sécher. Ou alors se secouer comme des chiens. Wow, toi, tu sais comment parler aux filles, pas vrai? Écoute, arrête de faire comme si c'était rien passé. Oh, mais si je peux, parce que... Regarde, à l'aide, au secours, je me noie et j'ai besoin d'un homme grand, fort et extrêmement sûr de lui pour venir me sauver. Demande à Nick. On dit quoi, les gars? Ou enthousiaste, on fait une bombe. Ah, ça pue, hein. Ah, j'ai envie de la piquer aussi. Elle a été con, hein. Mais est-ce que ça va pas nous jouer du tort, tu vois? Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Aigri, aigri. Vous voulez qu'on soit aigri? On est aigri? Allez, on est aigri. Ouais, ben demande à Nick. Je suis sûr qu'il serait ravi de te sauver. Je t'écoute pas. Elle va le tirer par les pieds. Putain, t'es folle! Ah, ok. Ok, je vais te faire payer ça. Tiens. Il commence à se lasser, tu sais. L'autre. C'est plus gentil avec lui aussi. Arrête ça! Bon, les détails de l'eau, c'est pas ouf. Éclaboussé, vas-y, tiens, prends ça dans la gueule. À l'attaque! Nick, c'est pas drôle. Non, Jacob, elle va dire. Quel con. Oh, ce qui fait... Bah, elle est con, celle-là, ou quoi? C'est la première à lui faire ce genre de blague, et là, elle dit qu'il est con. Et après, je suis sûr que Emma se lasse super vite de tout, ouais. Prends une photo de moi, Draeger. Je ne veux pas que ça s'arrête. Ah. Vous mettriez quoi, les gars? Draeger ou sensible? Parce qu'après, il l'aime. Hein. Attention. Hein. Mais elle joue un peu de lui, quoi. Ouais, c'est vrai. Ok. Bon. Regarde ça. Ok. Prends-moi en photo. Ouais, ce sera pour tes abonnés ou tes followers, peu importe, le top 10 des mecs qui te feront du bien en camp de vacances. J'ai droit à 9 de plus? Non. Oh, le plan, il pue, là. Où tu vas? Doigt d'allumeur. Il l'a fait tomber? Oh, j'ai pas vu. Quelle merde! Qu'est-ce qu'on fait? Les gars, on fait quoi? Ah, on peut mettre sur. Ah, ça c'est cool, on peut mettre sur pause. On aide Abby ou on plonge? Non, mais aider Abby, c'est. La petite Abby qu'on a joué tout à l'heure. Hein. On met quoi alors?
Parce que après c'est comme tout, aider Abby, sachant qu'on a, ah quoi que si ça continue après ce qu'on a fait, parce que j'allais dire elle s'en est sortie, mais ça peut-être, ça peut être la suite de ce qu'on a fait. Et plonger, le problème c'est que je me dis si on va chercher le truc, la voiture pourra servir à se barrer ou un truc du genre, tu vois. Il y a trop de conneries là. Ah, Emma, elle est là. On aide Abby, ça lui ferait les pieds, Emma. On aide Abby, du coup ? Allez. Emma ! Jacob, je suis là ! T'as entendu ? Quoi ? J'ai entendu comme un cri. Et on aurait dit Abby, mais c'était pas du tout un cri de joie. Je t'entends pas ! Écoute, bouge pas d'ici, je vais aller voir ce qui se passe. Quoi ? T'es sérieux ? Ryan, la goule de l'eau, ouais, j'y ai pensé aussi, mais... Sérieux, Kathleen, t'as foutu un sacré bordel, je dois dire. Ou peut-être que j'ai donné un coup de pouce à Abby. T'es on va pas tarder, les copains. Qui va faire le premier pas, à ton avis ? Nick ou Abby ? Oh, bonne question. Je dirais aucun des deux. Je sais pas, Nick a une bête en lui. Si par bête, tu veux dire un fan tout mignon et timide ? Te laisse pas avoir par son style de bourge bien sage. Il a des abdos en acier trempé sous son t-shirt. Alors, t'as remarqué aussi, hein ? Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On continue de jouer. Quoi ? Rien que tous les trois ? Ok, Dylan. Action ou... C'était pas Abby ? Oh mon Dieu. Il faut qu'on l'aide. Ça venait d'où, ce bruit ? Par là. Viens. Abby ! À l'aide ! Pitié ! Nick ! Aidez-le ! Impatient, qu'est-ce qui s'est passé ? Inquiet. Où est Nick ? Vas-y, on demande. Où est Nick ? Va chercher Nick ! Vite ! Tu devrais le faire, sûr de lui. Je m'en occupe. Vas-y. Ok, je m'en occupe. On laisse les nanas tranquilles. Faut que tu fasses gaffe, ce fusil a une dispersion de malade. Vous voulez qu'on... Faudrait pas trop que je traîne, quoi. On sait pas si Ryan sait tirer, mais pas grave. Oui, mais moi, je sais tirer. C'est vrai que j'ai pas pensé à ça... Mais d'un côté, s'il est sûr de lui, ça peut faire du bien au groupe. Parce que depuis tout à l'heure, à chaque fois, il se fait rembarrer, quoi. Alors, c'était quoi les choix, là ? Prendre le raccourci, suivre le chemin. On fait quoi, les gars ? Raccourci, QTE. Je pense. Raccourci ? Vous avez confiance en moi pour les QTE ? On va dire que t'es fort au QTE, ouais. Vite fait, après ça dépend comment ils s'enchaînent aussi. Hein. Parce que des fois je les merde, hein, surtout quand c'est des trucs où il faut aller vite. Pro gamer, bon, je vous fais confiance.
Raccourci ou suivre le chemin? Là, ils vont me dire raccourci pour un gamer. ça, c'est bien par contre, on peut mettre sur pause comme ça. Moi, j'aime bien. Raccourci, je pense que vous allez dire pour un gamer. Allez. Vous me stressez, les gars. Le chemin, j'ai débloqué. Ils ont l'air gentils, eux, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle ou pas? On appelle ou pas, les gars? Je sais pas pourquoi j'ai envie de leur faire confiance à eux. J'ai envie de leur faire confiance. Parce que tu vois, tout à l'heure, par exemple, le vieux, je l'ai vu bien dire putain de merde. Quand il disait ça, le vieux, en se disant putain, ils mettent leur vie en danger. Mais comme ils sont pas connus, les vieux, tu vois, peur de faire peur aux gamins. Là, je vois bien qu'il essaye de sauver le gamin, je sais pas, ça va attirer la goule. Ouais, c'est ce que je pense aussi, tu vois. Il y a tellement de choix, j'ai pas envie d'appeler pour le coup. J'ai envie de leur faire confiance. Ça se trouve, je joue un jeu de bâtard, mais j'ai envie de faire confiance aux deux, là. Exactement, pour sauver Abby. Vas-y. Arrêtez, arrêtez! Où se tire? On tire pas, les gars. On tire pas, du coup. C'est vrai qu'ils ont tiré sur les Wendigo pour sauver Abby, hein. C'est personne d'autre qui avait le fusil de toute façon. On tire pas. Ouais, mais là c'est étrange, il prend Nick. Ouais, mais peut-être il veut le sauver, peut-être il a un sérum, on sait pas, tu sais. Peut-être c'est lui-même un bonhomme qui se transforme, mais peut-être il est gentil du coup. Il y a tellement de choix plausibles, les gars. Parce qu'après, regarde, peut-être aussi, il parle pas, parce que peut-être le mec... On l'a pas entendu parler, le gros costaud, hein. On a entendu que le vieux parler, si tu remarques. Le gros costaud, on l'entend pas parler, alors peut-être le mec, il a pas de... Il peut pas parler, ou il a un truc, tu vois. Beaucoup de peut-être... Ouais, bah c'est pour ça, on peut envisager tout plein de trucs. J'ai pas envie de tirer. Moi, mon instinct me dirait ne tire pas. Je sais pas ce que vous en pensez, j'aime bien avoir plusieurs avis, quoi. J'ai pas envie de tirer. En même temps, si on a fermé notre gueule, pourquoi on tirerait, franchement? Après, il le disait aussi dans les cartes. Des fois, de pas tirer, ça peut être bien aussi, hein. J'ai envie de lui faire confiance. Ah putain, mais je suis un enculé, moi. Je fais confiance à tout. Je faisais confiance aux flics. Je fais confiance à la quête. On tire pas, les gars. Singo, ça on tire pas. Pandix, il dit ouais, tu vois, Pandix aussi, ouais, on le laisse. Moi j'aime tirer, ouais, mais toi tu veux tirer tout ce qu'il y a. Ouais, mais là il enlève Nick, ouais, mais tu sais pas pourquoi il l'enlève. Nick il est blessé. Ça se trouve, il l'emmène pour le soigner, quoi. Le mettre à l'abri, parce que peut-être les bestioles sont attirées par le sang ou des trucs comme ça, tu vois. Tu peux mettre tellement de choix. Je tire pas. On va voir. J'ai peut-être tort. Mais... Tu
vois, il... Là, il pensait à sa sécurité, quoi. Oh, putain. Pour pas merde. Muter. Chier. Vite, faucon. Tu peux marcher ? Je peux. Allez, cours, cours ! Je te ramène au feu de camp. J'ai envie de me dire j'ai fait les bons choix. J'ai envie de me dire j'ai fait les bons choix. Bon les gars, c'est un peu l'heure. Qu'est-ce qu'on fait ? On s'arrête là pour ce soir ? C'est pas vrai. Je sais pas où il s'arrête, où il commence le chapitre 3 quoi. Sinon on peut continuer oh, mais... Il y a une meuf presque à poil qui m'attend là-bas. Qu'est-ce que je fous ? Ah ok. Ok. Qu'est-ce qu'on fait ? On appelle ou on... Après, il est venu chercher Abby. Dans la logique des choses, j'appellerai. Mais là, il y a la goule. On entend qu'il y a la goule à côté. Enfin, le loup à côté. Mais ouais, mais il est venu chercher Abby. Dans la logique des choses, c'est Abby où tu es. Mais là, il y a la bestiole qui râle. Elle s'occupe d'un sanglier. Si on appelle, pour moi, on va la bestiole va se tourner vers nous. Après, les gars, vous dites, ouais, il va tous les tuer du coup, Nick. J'ai vu beaucoup de films sur les loups et les vampires, qui me fait dire que, par exemple, un truc tout con. Mais Nick pourrait arriver à contrôler son truc. Imagine, il arrive à contrôler son truc, et il va protéger ses collègues. Tu vois, on peut imaginer plein de scénarios. Hein. On peut imaginer plein de scénars. Hein. De l'aider, tu sais, peut-être il va avoir un truc qui, je sais pas, où il pourrait contrôler sa transformation ou contrôler ses pulsions. Il peut les protéger, comme à tous les coups, il peut ne pas protéger et tuer tout le monde. Mais tu vois, il peut y avoir tellement de trucs. Regarde Underworld, le film Underworld. Michael, le petit Michael. Dans Supernatural, aucun a réussi à se contrôler. Au bout d'un moment, ça bascule. Ouais, mais tu vois, il y a... Magnifique série de films Underworld. Ouais, j'ai surkiffé les Underworld. J'ai pas vu les tout derniers, apparemment c'est des bouses. Le 1 et le 2, c'est vraiment un kiff. Mais Michael, je crois que c'est un hybride Michael dans mes souvenirs. C'est un vampire... vampire lican, non ? Je sais plus. Ou c'est juste un lican, je m'en rappelle même plus. Mais c'est pareil, je crois qu'il arrive à se contrôler. Donc, tu vois, il peut y avoir tellement de scénarios... plausibles. On fait quoi, du coup ? Moi, j'appellerai pas. Moi, si je suis mon instinct, j'appelle pas pour pas avertir la bestiole. Qui s'occupe d'un sanglier. On entendait qu'elle s'occupait d'un sanglier. Eh oh ! Bah, appelle pas eh oh ! Non mais... Je martèle la touche comme un taré, là. Allez.
On met quoi? Ah, attends, on met quoi du coup? Lâchez-moi? Menaçant. Après, c'est comme tout, parce que regarde, si on a envie de lui faire, faire confiance en suppliant, on peut voir s'il va être gentil. Que menaçant, tu sais, il peut se dire c'est un mec qui est en train de muter, je sais pas. Je l'aime pas. Ah, que moi j'ai envie de lui faire confiance à John Cena là. Menaçant, il peut nous prendre pour une bête, tu vois, en train de, je sais pas. Que suppliant, on verrait s'il nous libère ou pas. On essaye, vas-y. J'ai peur de mes choix à chaque fois. Pitié, mon vieux. Faites-moi descendre. Je... Me faites pas de mal. C'est là qu'il m'entend. Oh, mais putain, merde, mais qu'est-ce que vous coûtez ? Couper la corde, il va couper la corde, j'ai confiance. Là, il regarde s'il est pas mordu ou quoi. J'ai envie de lui faire confiance. Ne le tue pas, je t'en supplie, ne le tue pas. Quoi ? Chut ! La ferme ! Non, 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 on fait rien. Je lui fais confiance. J'ai envie de lui faire confiance. Je te conseille de fermer les yeux. Vous foutez quoi ? Chut ! Arrêtez ! Chut ! Au secours ! C'est pas bon, je sais. Mais c'est pour ton bien. Maintenant où t'es passé, ma petite ? Et tu vois, peut-être il nous a versé du sang. C'est quoi ce bordel ? Pour qu'on soit couvert. Putain de merde. Tu vois, c'est ce que je pense. Tu vois, j'ai envie de lui faire confiance à ce barbare là. John Cena là, moi c'est John Cena, moi je vois John Cena le mec. Ah bah voilà, comme ça on aura fini pour ce soir les copains. Le temps est passé tellement vite depuis votre dernière visite. Bien. Alors. Désolé, hein. Qu'avons-nous là ? C'est bon, c'est repassé en 60. C'est l'étoile. Les étoiles brillent dans le ciel nocturne. Des balises lumineuses, des rêves d'espoir, ou un rappel de votre insignifiance. La crainte du tourment. Croyez-en la lumière des étoiles, car elles apportent la clarté. Et parfois une preuve. La maison Dieu. Échapper à vos problèmes. Fuir ou combattre. Telle est la question que nous nous posons tous, mais... Bien souvent, quand nous échappons au danger, nous sommes confrontés à un péril plus grand. Chaque pas. Peut-être votre dernier. Jusqu'à maintenant, ils sont en vie, hein, les gars. Souvenez-vous, la vérité dépasse toujours les apparences. Voulez-vous que je vous montre ? Ouais, je veux voir plus, voir plus. Oui, bien. Mais... Je ne peux hélas me plonger que dans un seul des futurs possibles. Alors lequel ? Choisissez. Ok. On prend quoi ? J'aurais dit l'étoile, parce qu'il disait la lumière te guide vers le bon truc du coup. Après, la maison de Dieu, c'était quoi ? La vérité, les apparences ? Les preuves, des fois, changent les apparences, je crois. C'était un truc du genre. Mais là, mon instinct me dirait l'étoile. Mais maison de Dieu, pour éviter une crasse, peut-être, je sais pas. Parce que je sais pas... Tu vois, là, par exemple, j'ai eu confiance à mon instinct de vouloir faire
confiance au John Cena et pour l'instant ça me porte pas défaut. J'ai envie de continuer à croire mais un peu mon instinct, tu vois. Vous diriez quoi ? Moi comme ça, je dirais étoile. Pour que ça me guide sur la bonne voie, peut-être. Après, je peux me tromper, hein, mais... De toute façon, on pourra en voir qu'un des deux. Alors, ça se trouve, on se trompe complet. On met étoile ? Allez, étoile. Allez, partez. Retournez à Hackett's Quarry. Reprenez la route de Hackett's Quarry. Vous allez bien vous amuser. Il y a quelqu'un qui se transformait, non ? Peut-être Nick ? Je sais pas. Il a tiré ? Il a pas tiré, je crois. Chapitre 3. C'était horrible. C'était... Je sais même pas ce que c'était. C'était super voilà, on peut se garder ça pour le prochain coup. Il y avait un chasseur. Et c'était juste... Chapitre 4, pardon. Est-ce qu'on se garde pas la suite pour le prochain coup, les copains ? C'était cool, en tout cas. Ah, là, ça y est, on est dedans. Hein. Là, on est dedans. On a... Je vois jamais rien dedans. Bah là, on a vu juste Emma, Jacob qui pointait une arme. Et ça a fini sur une créature, on aurait dit un espèce de torse qui éclatait, ou je sais pas, enfin... Mais pour ce soir, c'est cool. Je pense que ça nous a save, de toute façon. Est-ce que ça vous a plu, la soirée de ce soir, les copains ? Déjà, on est dedans, hein. Alors, je vais voir jusque... Connexion au service en ligne perdue. C'est bon, on reprendra de là. On reprendra au chapitre 4. Non mais en tout cas, hey, il est cool les gars. Moi je me régale vraiment dessus. Hein. Je me régale vraiment dessus. J'espère que vous passez un bon moment aussi sur cette aventure. Moi je la surkiffe quoi. Et ça y est, on est dedans là. On est dedans avec les créatures et tout, c'est cool. Mais c'est pour ça que, pareil, j'essaye de faire participer, quel choix vous voulez qu'on fasse, ou... J'aime bien suivre mon instinct, mais c'est vrai qu'avoir un peu... Comme ça, tout le monde participe un peu. C'est un peu notre histoire à nous. Mais pour l'instant, on s'en sort bien. Pour l'instant, on s'en sort bien, on arrive à les faire vivre. Dans tous les cas, je veux que Abby, elle soit au bout. S'il y en a vraiment... S'il y en avait une que je voulais laisser en vie jusqu'à la fin, c'est Abby. Après les autres, j'ai un peu moins d'affect. Jacob, Abby et Jacob. Jacob, je l'aime bien quand même. Il a un truc, Jacob. Il fait le lourdingue, mais il a un truc qui me plaît bien. Comme ça, honnêtement, j'ai de l'affect pour Abby et Jacob, moi. Si je devais choisir, personnellement. Mais en tout cas, un vrai plaisir, ce petit The Quarry. Comme tu me dis, Singo. C'est vraiment un plaisir. Il est, pour l'instant, rien à dire. Il est vraiment bien, il n'y a pas trop de bugs en fait, hein. Pas trop de bugs et tout ça, donc c'est cool. Après juste les baisses de frame, mais là ça vient plutôt de mon PC. Après c'est comme tout, hein. Il tire en élevé, sachant que il y a le stream et le jeu qui tournent sur ma carte grave, donc on lui en demande un peu beaucoup, mais très propre. Trop de poils de barbe dans le PC. Ouais, non, mais c'est ça. Bah après, voilà, j'ai fait tout sur le même PC. Et ça, il fallait s'en douter. Hein, mais voilà, mon processeur, il est bien, mais c'est pas non plus le haut de gamme. Donc, il y aura des trucs à changer, mais pour l'instant, je peux pas. En tout cas, on arrive à le faire tourner. C'est cool. On arrive à se faire des petits jeux quand même sympas. Et puis voilà. Et puis, j'hésite à me prendre le pour vous stream beaucoup plus de jeux, qu'on ait plus de choix. J'hésite à me prendre le Game Pass. Le Game Pass, comme ça on aura pas mal de jeux, et en plus en ce moment c'est parce qu'elle offre aussi des 3 mois à 1€, donc pourquoi pas. Mais on verra. Mais en tout cas, ce The Quarry est une pépite. J'espère que vous passez un bon moment, que j'essaye de pas trop parler pendant les phases d'action ou les phases de dialogue, et puis voilà, on essaye de faire les choix ensemble, comme ça on s'amuse vraiment tous ensemble.
puis qu'on vive notre aventure, quoi. Mais en tout cas, je suis content de nos choix, je suis content de ce jeu, de l'histoire qu'on prend. C'est toi qui vois si tu prends t'as obligation de combien de temps. Hein? De quoi j'ai obligation de combien de temps? Mais voilà, toi. En tout cas, un plaisir. Genre, tu prends pour 6 mois? Non, là, c'est qu'il y a une offre. En fait, après, c'est comme un abonnement Netflix. En fait, là, ils font actuellement une offre où tu payes 1 euro et tu as 3 mois offerts. Enfin, tu as 3 mois pour 1 euro, tu vois. Et normalement, sinon, c'est 10 euros par mois. Et c'est comme un Netflix, en fait. Tu as des jeux, tu joues un catalogue de jeux Xbox. Et il y en a que tu auras dès leur sortie. Par exemple, il y a beaucoup de jeux qui vont sortir à leur sortie. Et en fait, tu joues gratuitement à tous les catalogues. Par exemple, là, pour 1 euro, bah, pendant 3 mois, je peux jouer à tout le catalogue Xbox, tous les jeux qu'il y a sur le Game Pass, gratuitement. Enfin, gratuitement, tu payes, quoi. Ah, mais tu arrêtes quand tu veux. Par contre, tu résilies quand tu veux. C'est comme vraiment Netflix. Si là, je prends un mois, mais je veux résilier au bout de mon mois, j'arrête. Je peux arrêter. Je crois qu'il n'y a pas de... C'est comme Netflix, en fait. Dès que tu veux arrêter, t'arrêtes, et puis ça t'arrêtera d'être facturé. Je crois que si, par exemple, là, je prends les trucs, je résilie, bah, j'ai mes 3 mois, et puis après, je suis plus prélevé, quoi. Et sinon, c'est 10 euros par mois, mais c'est ce qu'on pensait avec Mamis. C'est qu'il y a beaucoup de jeux que j'aimerais vous faire en stream, ou même des jeux qui sortiront et qui seront peut-être sur le Game Pass. Et comme elle dit, c'est vrai que si c'est des jeux que je ne retoucherai peut-être pas, 10 euros, ça fait moins mal au cul que de payer 70 balles peut-être pour un jeu où je vais jouer qu'une fois, quoi. Là, elle me dit c'est peut-être plus rentable comme ça. Et sachant qu'on a toute une fille de jeux sur le Game Pass. Comme là, par exemple, c'est ce que je lui ai dit, les Tortues Ninja, c'est un jeu que je veux. Il sera sur le Game Pass, mais c'est un jeu que je veux. Donc lui, je vais l'acheter pour moi, tu vois, pour l'avoir tout le temps. Parce que par contre, quand j'arrête de payer, je n'ai plus accès au jeu. Même si je l'ai installé ou quoi, il est bloqué. Donc c'est pour ça, je pensais, des petits jeux, voilà, qu'on sait, bah on fait l'aventure et puis voilà, on y retouchera pas, peut-être même pas. T'as bien raison, la soupe. Donc voilà, et puis ça serait 10 euros par mois après, donc au lieu de 70 balles un jeu. Donc voilà, et j'ai vu qu'il y avait quelques jeux que j'avais mis dans ma liste de souhaits qui sont sur le Game Pass en plus. Donc voilà les copains, c'était juste au cas où pour vous dire ça, mais je verrai, je vais me tâter un peu de ce que je fais, mais il y a moyen que je fasse ça, comme ça on aura beaucoup plus de... On pourra se faire plaisir sur pas mal de jeux sans se dire est-ce que je peux ou pas. Donc voilà, comme là The Quarry par contre tu vois il y était pas, sur le Game Pass The Quarry il y était pas, donc je l'ai acheté. J'ai eu Mortal, il a l'air bien. C'est du pay to win, hein, attention. Et apparemment, de ce que j'ai compris... Attends, tu parles Immortal Diablo? La fille. Le jeu avec la fille actrice en FMB. Oh, tu me parles d'un truc, c'est bon. En tout cas, qui est passé ce soir? Ce soir, merci mon petit poulet cosmique. Merci à toi. J'aime bien, je remonte le seul mot que je trouve de poulet cosmique, c'est la salope. Merci à toi pour les cosmiques, mon petit Polozite. Merci à toi, petit Simo, mon petit Pandix. Merci à toi, mon Pandix aussi, pour le resub. Merci de m'avoir régalé, mon petit Pandix. Ça fait plaisir un peu d'avoir ton petit retour là. Ça faisait un moment, ma petite Méline. Elle a dû s'endormir, ma petite Méline. Merci à toi, ma petite Méline. Il y a mon Bebeu, mon Bob qui sont passés aussi, ce que j'ai pu voir. Donc merci à eux aussi. Bonne nuit. J'espère que ça t'a plu aussi, poulet cosmique. C'est pas toi qui avais parlé, mais... J'ai du confort. Si, moi j'avais parlé, mais je croyais qu'il avait marqué actrice porno. Mais c'est parce que c'est juste moi qui ai envie de bite. Non, c'est... on avait parlé d'actrice, ouais, il disait que c'était une actrice de je sais plus quoi, et... Scorn, par contre, ça va être bien pour toi. Ouais, Scorn, il est dans ma liste, t'inquiète pas, Scorn, il est dans ma liste. Ambiance un peu alien, Prometheus, ça me botte bien. On fera tout ça, les copains. Et il y a plein de jeux que j'ai envie de faire. Pour vous dire, je suis grimpé, j'ai passé les 100 jeux de ma liste de souhaits, hein, avec toutes les annonces qu'il y a eu. On aura de quoi faire. On aura de quoi faire pour s'amuser. Je peux vous le garantir. Mais voilà, pour ce soir, on va couper là. On a traîné un peu plus que d'habitude. Au moins, on a fini un chapitre. On attaquera l'autre demain. Demain, on se continue ça. Et puis, après demain...
Tortue Ninja, les gars. Tortue Ninja. Alors, je vous le dis, hein. Tortue Ninja, je m'emballe comme un taré. Ça sera pas quelque chose de oufissime. Ça sera du Street of Rage. C'est juste moi qui me hype parce que j'ai envie de retomber en enfance, tu vois. C'est plus mon côté... j'ai envie d'être un gamin. D'être avec une tortue et de taper des méchants. Donc, voilà. Ne prenez pas ma hype comme le jeu de l'année, hein. Ça va rester du Street of Rage global, mais c'est des tortues. J'ai réussi à rester à 70 persos, je suis content. Hein? Street of Torture with the Rage of the Ninja, exactement. Non, non, mais c'est pour ça, c'est que voilà, moi je m'emballe de ouf pour les tortues. Après, on va juste faire une aventure, on va. Et puis. Ok. 70. Mais voilà, juste pour vous dire ça. C'est plus ma hype de, du côté. Là, vous avez l'enfant de 12 ans qui dit oh, les tortues ninja, c'est trop bien un jeu, on va bouger les tortues et taper des méchants. Voilà, c'est plus ça. Mais voilà, mais demain, en tout cas, on se continue ça, les copains. C'était cool. Merci à vous d'avoir participé, de m'avoir aidé dans mes choix. C'est un plaisir de partager cette aventure à vos côtés. Moi, je m'éclate de ouf. Je pense que vous éclatez de ouf. Donc, c'est pas mal. Ça commence à rentrer en plus dans le vif du sujet, dans le bien l'horreur. Ça commence à être sympa. Donc, où on commence à avoir les choix, où on se dit « Putain, on fait quoi ?» Donc, c'est cool. Donc encore une fois, merci à tous de votre soutien fort incroyable, merci à tous ceux qui ont participé dans le chat, merci aux viewers de l'ombre, vous êtes là, on le sait. Merci mon Pandix, encore pour ton resub, merci de m'avoir régalé ce soir. Comme je disais, ça fait plaisir de revoir un ancien collègue. Merci mon petit Singo, mon petit Prozite, Poulet Cosmique, Méline, Bob, Benoît, merci à vous les copains, merci à tous de votre participation comme chaque soir sur le stream, de votre soutien fort incroyable, merci. C'est comme je dis, vous faites vivre le stream également, donc merci à vous de me suivre dans mes aventures à chaque fois. Sur ce, passez une bonne nuit, prenez soin de vous les copains, vivez à fond les manettes, faites pas les fous surtout, prenez soin de vos proches, pareil à mon petit Luffy, courage à toi mon petit Luffy, si t'as besoin de causer, on est sur Discord, pareil, il y a le Darkness aussi qui est passé, si vous avez besoin de causer les copains, on a le Discord, n'hésitez pas à écrire en privé ou quoi, ou chercher du monde, il n'y a pas de souci. On est là pour vous les copains, en tout cas courage à vous, force à vous, on est avec vous, je vous fais plein de bisous, je vous aime. Prenez soin de vous. Merci encore de votre soutien fort incroyable. Et comme toujours, on se retrouve demain, 23h-23h30, pour la suite de The Quarry. C'était cool. Et on se retrouve sur un prochain stream. Je vous dis à bientôt. Ciao. Merci à tous en tout cas. Vous êtes les best, les copains. Vous me régalez, comme chaque soir. Vous me régalez. Merci encore.